Que le Seigneur nous bénisse richement. Que le Seigneur vous bénisse tous. Levons-nous, s'il vous plaît. Nous allons lire un psaume. Nous lisons la parole du Seigneur dans le livre des psaumes au chapitre 40. Psaume chapitre 40, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 40, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 40. J'avais mis en l'Éternel mon espérance et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue. Et il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte, et ils se sont confiés en l'Éternel. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Tu as multiplié, Éternel, mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nombre en est grand pour que je les raconte. Tu ne désires ni sacrifice, ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste, ni victime expiatoire. Alors je dis, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Voici, je ne ferme pas mes lèvres, Éternel, tu le sais. Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice. Je publie ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. Toi, Éternel, tu ne me refuseras pas tes compassions. Ta bonté et ta fidélité me garderont toujours, car des maux sans nombre m'environnent, les châtiments de mes iniquités m'atteignent, et je ne puis en supporter la vue. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, et mon courage m'abandonne. Veille me délivrer, ô Éternel, viens en hâte à mon secours, que tous ensemble y soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie pour l'enlever. Qu'ils reculent et rougissent ceux qui désirent ma perte, qu'ils soient dans la stupeur par l'effet de leur honte, ceux qui me disent « Ah, ah ». Que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse « Exalté soit l'Éternel ». Moi, je suis pauvre et indigent, mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon aide et mon libérateur. Mon Dieu, ne tarde pas. Amen. Le Seigneur, seul éclaire mon chemin. Sa parole, c'est le feu. Le Seigneur, seul éclaire mon chemin. Alléluia, sa parole, c'est le feu. Oh oui, sa parole, oui, sa parole. Sa parole, c'est le feu. Alléluia, oui, sa parole, oui, sa parole, sa parole, c'est le feu. Oui, ta parole, c'est le feu, notre Dieu. Et nous nous réjouissons de pouvoir réaliser cela, mon bénémoine Père, notre Sauveur. Réaliser combien tu veilles sur ce que toi-même tu as déclaré, Seigneur. Et ta parole court à toute vitesse, mon bien-aimé Seigneur. Nous réjouissons de ce que réellement tu nous as secoué aussi pour que nous puissions réellement réaliser ce que toi tu es, mon bien-aimé Père Dieu. Nous voulons davantage apprendre de toi, nous voulons davantage être enseignés par toi, comme tu dis dans ta parole à toi, qu'ils seront tous enseignés de Dieu, mon Sauveur. C'est sur cela que nous appuyons aussi et que nous voulons vraiment te dire merci du fin fond de
notre cœur, notre âme, mon bénévole Père Saint-Dieu, pour cette parole merveilleuse, mon bénévole Père Saint, que tu as eu à pouvoir aussi donner, nous faisant savoir que nous serons tous enseignés de toi, mon bénévole Père Saint, que nous apprendrons davantage de toi. C'est pourquoi nous croyons aussi que tu as disposé les choses pour que cela soit ainsi, et que nous voulons réellement nous conformer aussi à ta volonté, à toi, parce que c'est là ton désir à toi, mon bénévole Père Saint. Nos cœurs et nos âmes se tournent vers toi, et soupirant après toi encore aujourd'hui, ce matin, comme nous venons d'entendre les psaumes, Seigneur, tu es réellement merveilleux, Seigneur. Louange et honneur à toi pour les cantiques qui ont été chantées, bénévole Père Saint-Dieu, pour le cœur qui s'est tourné vers toi, pour pouvoir t'adorer, pour pouvoir te célébrer et glorifier encore ton Saint-Nom, mon bien-aimé Père. Nous nous résistons réellement pour ce moment que tu nous donnes, malgré que le temps est tellement si mauvais, mais tu nous accordes réellement la grâce, mon bien-aimé Père Saint, pour aussi trouver grâce devant ta face, pour pouvoir te louer et que nous devons te servir comme tu le veux, Seigneur. C'est pourquoi nous pensons aussi à tous nos frères et sœurs dans différents lieux, différents endroits, différents pays, bien-aimé Père, dans cette condition dans laquelle le monde se trouve aujourd'hui, afin que tu aies encore ta main, Seigneur, parce que nous sommes ton peuple à toi, le troupeau de ton pâturage que ta main puissante et glorieuse a encore conduit, Père. Je voudrais te remercier encore pour toutes les guérisons que tu as eu à pouvoir manifester, bénémoine Père Saint-Dieu, pour les délivrances que tu as aussi accordées, bénémoine Père Saint-Dieu, pour les âmes que tu as aussi sauvées, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Je t'en remercie aussi pour nos bénémoines frères et sœurs que tu ramènes encore davantage, Père Saint-Dieu, à pouvoir s'accrocher aussi à la parole encore aujourd'hui, Père Saint-Dieu. Nous te disons merci parce que tu fais un travail tellement merveilleux, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Nous t'en sommes vraiment reconnaissants parce que tu as toujours veillé sur ce qui est à toi, mon bénévole Père Saint. Béni soit ton Seigneur encore ce matin pour tout ce que tu fais. Garde ton peuple encore l'endroit où il se trouve encore ce matin, bénévole Père Saint. Et nous encore ce matin, nous avons besoin de toi pour pouvoir nous conduire encore. Nous avons vraiment parlé par les travers les chants et les cantiques, mon roi, les psaumes aussi, bénévole Père Saint. Nous voulons encore maintenant t'entendre nous conduire encore, nous parler, bénévole Père, parce que c'est aussi notre désir, parce que nous voulons être changés, être transformés, Père Saint Dieu, avoir cet amour et ta parole, te bénir pour de la communion avec ton bénévole Père Saint Dieu. Sois béni encore ce matin, car nous t'avons ainsi prié, glorifié, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur notre Dieu soit béni, qu'il soit donc glorifié et exalté pour sa bonté, son amour et ses compassions à notre endroit. Qu'il est bon donc de louer l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Nous ne cesserons jamais de pouvoir lui dire merci pour sa bonté, pour son amour et sa miséricorde, car réellement nous réalisons que c'est par grâce que nous sommes sauvés et cela au moyen de la foi, comme l'Écriture le dit. Cette foi est un don qui nous vient de Dieu, afin que nous puissions réellement aussi avoir confiance dans ce que lui, il déclare et que nous puissions nous reposer sur cela. C'est merveilleux de pouvoir lire et entendre les paroles qui touchent nos cœurs et nous démontrant en réalité l'autorité et cette puissance de ce Dieu et aussi l'amour que ce Dieu déploie à l'endroit de l'homme et la reconnaissance aussi qui peut monter aussi dans le cœur de l'homme pour pouvoir reconnaître effectivement l'amour de ce Dieu comme David pouvait s'écrier de tout son cœur en disant « Oh là là, quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as donc créées. » Je me crie et je dis, mais qu'est-ce que c'est donc l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et dans les psaumes 40, nous venons de lire effectivement aussi, et verset 6, il dit, « Tu as multiplié, Éternel, mon Dieu, tes merveilles et tes desseins à notre faveur. » C'est merveilleux cela. Il dit bien, « Éternel, mon Dieu. » Il reconnaît effectivement que c'est Dieu et mon Dieu à moi aussi, que je peux aussi invoquer de tout mon cœur, effectivement. Et j'ai la grâce de pouvoir avoir trouvé grâce à ses yeux, parce que il a dit dans la parole, effectivement, je pense, psaume 52, il dit, « Mais invoque-moi donc dans ta détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Donc, si nous crions en lui, c'est sûr et certain qu'il entend réellement aussi nous crier. Tu as multiplié tes merveilles et tes desseins. C'est merveilleux cela de pouvoir voir que le Seigneur fait vraiment grâce et nous montre qu'effectivement que nous sommes réellement là dans cette disposition où il nous montre et nous réalisons aussi que ce sont des faveurs et des choses merveilleuses que le Seigneur a déployées effectivement devant nous que nous devons être reconnaissants. C'est pour ça que je pense qu'il y a aussi un cantique qui dit « Compte le bienfait de l'Éternel. » Regarde effectivement le
nombre en est tellement grand. Vous savez qu'un fils de Dieu, une fille de Dieu ne peut pas être dans le désespoir. Il ne peut pas tomber tellement plus bas dans le désespoir pour dire, mais tout ne va pas. Non. Quand tout ne va pas, pense quand même à un moment, essaie de pouvoir chercher quand même en toi ce que le Seigneur a eu à pouvoir faire pour toi lorsqu'aussi tu es dans une situation où tout n'allait pas. Alors accroche-toi à cela et tu verras qu'effectivement que Dieu l'a pas fait seulement une fois, mais il a encore fait encore deux fois, non seulement deux fois, non pas trois fois, mais à chaque fois que tu faiblissais et que tu levais la tête, effectivement, alors Dieu agissait encore pour toi. Alors, il dit, tu as multiplié tes merveilles et, cela oui, tes merveilles et tes desseins en notre faveur, nul n'est comparable à toi. Arrivez à dire cela, ce que vous avez réalisé par exemple, le bienfait de ces dieux à votre endroit. Vous avez compris aussi, effectivement, que lui ne peut pas chercher votre malheur. Non, pas du tout. Non. Par contre, il nous dit que le malheur atteint souvent le juste, mais il est toujours là pour le délivrer toujours. Et c'est là que nous comprenons effectivement que les desseins que le Seigneur a formés pour nous, les projets qu'il a à notre endroit, sont toujours des projets de bonheur et jamais, jamais de malheur. C'est pour ça que lorsque nous nous trouvons dans une situation où nous savons que nous regardons à gauche, à droite, il n'y a pas d'issue. Mais sachez une chose, mon frère et ma soeur, il y aura toujours une issue devant, parce que Dieu lui-même, il sait toujours ouvrir et nous voit, là aussi il n'y a pas de voix. Il est le Créateur. Et avant même que le soleil soit, il connaissait effectivement ce qui était sous le soleil. Donc nous le remercions pour cela. C'est pour ça que nous sommes appelés toujours à avoir confiance. C'est avoir confiance. Et j'aime toujours cette parole qui nous revient dans Romains, qui nous dit, mais que tout homme soit reconnu pour menteur, mais que Dieu soit reconnu pour vrai. Donc quand il nous dit quelque chose, alors sachons que ça c'est la vérité, je ne vais pas me départir de cela, je resterai accroché à cela. Donc nous réalisons combien il est vraiment... Alors il continue ici, il dit, nul n'est comparable à toi, parce que à qui veux-tu le comparer? Il est le tout suffisant pour toi et pour moi. Et nous réalisons qu'effectivement, il est tout pour nous. C'est Dieu à toutes choses, effectivement, que nous pouvons désirer parce que la Bible nous fait savoir que tout a été créé par lui et tout subsiste donc en lui. C'est dans Colossiens chapitre 1, verset 15. Donc, nous comprenons qu'effectivement, il nous a toujours dit aussi, afin que nous puissions nous rappeler cela, qu'il est l'alpha et aussi l'oméga. Donc, il n'y a personne, il a bien dit cela, alpha et oméga, c'est-à-dire qu'il est le commencement et la fin. Il a dit que avant moi, on n'a pas été formé de Dieu. Dieu ne disait que par lui. Donc, Ah oui. Et après moi, il ne pourra pas y avoir de Dieu parce que j'espère que vous compreniez cela, effectivement. Et c'est ce qu'il a dit dans Isaïe 43, certainement. C'est que nous comprenions, effectivement, quand il dit, avant moi, n'a pas été formé de Dieu. D'où pouvait venir Dieu? Parce que pour que tu sois Dieu, il faut que tu sois adoré. S'il n'y avait pas la création, comment est-ce que quelqu'un veut être adoré? C'est pas possible. Parce que sans adorateur, il n'y a pas de divinité. Alors d'où vient le monde? D'où vient la terre? On nous fait savoir qu'au commencement, Dieu créa. Là que nous voyons son autorité, effectivement, il est le seul Dieu. Dieu créa. Il n'y en a pas, on n'a pas dit Dieu X, créateur, mais Dieu créa. Donc s'il a créé, effectivement, il a voulu donc manifester, effectivement, son attribut, effectivement, des créateurs et des dieux, effectivement. Alors c'est pour ça qu'il fallait qu'il puisse avoir des adorateurs. Donc il a créé les adorateurs, effectivement. Il créa les cieux et la terre, donc, que les anges de Dieu puissent l'adorer. Donc avant lui, on ne peut pas parler d'un Dieu, effectivement, parce que c'est lui qui a fait que Dieu existe. Parce que Dieu, c'est lui qu'on adore. C'est cela qu'il a l'autorité suprême et cette puissance de pouvoir assujettir toutes choses. C'est pour ça que la Bible dit que si Dieu est vraiment pour nous et avec nous, alors qui sera contre nous?
Parce que tout subsiste en lui. Il a créé toutes choses, effectivement. Que ce soit les anges, effectivement. Donc, toutes ces choses, même que ce soit tous ceux qui se sont révoltés, ils savent que le révolte dans lequel ils se trouvent. D'ailleurs, la Bible nous dit qu'effectivement, que Satan et tous ces démons, ils croient qu'effectivement, ils croient que Dieu existe. Donc, comme la Bible dit, ça va, mais ils tremblent, effectivement. Donc, ils ont cette peur, effectivement, de savoir que c'est Dieu à la puissance de pouvoir tout décimer en un instant et changer tout. Parce que personne ne peut lui dire pourquoi tu fais ça. Ainsi de suite. C'est Dieu qui connaît effectivement les temps et les moments, les secrets qui impartit effectivement ainsi. Donc, nous comprenons qu'effectivement, qu'on ne peut pas le comparer. Alors, il dit, c'est effectivement plus bas, il dit, on connaît plus bas, c'est notre dit, et verset, je pense que, oui. Donc, nul n'est comparable à toi. Donc, je voudrais le publier et le proclamer. Qu'est-ce qu'il doit, que tu veux, qu'est-ce que tu veux publier et programmer et proclamer? Il dit, ce sont donc tes merveilles et tes desseins à notre faveur. C'est-à-dire que toi, frère et toi, sœur, si tu es un fils de Dieu, tu dois savoir quels sont les projets que Dieu a formés pour toi. C'est pour ça que même quand tu passes par la vallée de l'ombre de la mort, je crois que c'est ça ce que et David pouvait dire, effectivement, et avec autant d'assurance, en réalité, aussi, qu'il employait en faisant comprendre cela. Psaume au chapitre 23, il nous dit ici, hein, dans cela, en nous faisant savoir que, oh, et le verset 1 dit, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai absolument de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages et il me dirige près des eaux paisibles. Donc pas des eaux troubles. Et c'est lui qui restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. C'est pour ça que un fils de Dieu n'est pas un voleur. Enfin, bref, c'est pour que nous comprenions qu'effectivement, que la qui. Alors il dit, à cause de son nom, il dit, mais quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, quand tout va mal, quand tout semble sombre, effectivement, autour de nous, effectivement, alors, il dit que quand je marche dans cette vallée où je vois qu'effectivement que la mort est devant moi, effectivement que je tourne à droite et à gauche, j'estime que je pense effectivement que mes jours sont raccourcis. Il dit quand je marche dans la vallée de la mort, que le diable a déjà fait son travail, effectivement. Il dit bon, maintenant je vais l'achever. Il dit une chose ici, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. C'est ça l'assurance. Et ça, l'assurance, effectivement, que le Seigneur nous donne. Il dit, ta houlette et ton bâton, et donc, me rassure, et ainsi de suite. Donc, il dit, mais même quand je marche là-dedans, je ne crains aucun mal, il dit, parce que je sais, effectivement, que tu es avec moi, et tu me conduis, effectivement. Alors, il dit, le nombre, quand je vais les proclamer, les publier, le nombre, nous retournons ici au chapitre 40 des psaumes qu'on vient de lire. Je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je le raconte. Vous voyez l'exaltation, vous voyez l'amour, effectivement, vous voyez la joie, l'allégresse d'un fils de Dieu et d'une fille de Dieu. Peu importe l'état dans lequel il peut se trouver, même comme l'avons entendu, même si il voit qu'il descend dans les profondeurs, effectivement, ça veut dire qu'il voit que son état, ça veut dire, et il n'a pas en lui, effectivement, ce désespoir, effectivement, qui peut arriver, effectivement, dans lequel il dit, est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que je vais m'en sortir? Mais bien sûr qu'il est sûr et certain qu'il va s'en sortir. Pour quelle raison? Parce qu'il dit, mais car tu es avec moi. Rassurons-nous simplement que Dieu soit avec nous. C'est la chose que nous devons avoir l'assurance. Si je suis sûr et certain qu'il est avec moi, alors peu importe. Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, oui, alors je ne crains aucun mal, peu importe. Même qu'il y ait la contagion à gauche, qu'on parle de ceci et cela, dit, je suis, il est avec moi, il n'y a pas de problème. Le vent peut passer sur moi, mais je ne descendrai pas plus bas que les autres. Parce que tu es donc avec moi, le Seigneur, mon Dieu. Et puis il dit, verset 7, il dit, tu ne désires ni sacrifice, ni offrande, tu m'as ouvert les oreilles. Ça, c'est important, ça. Parce que souvent, on est sourd à ce que... C'est ce que le diable fait, effectivement. Beaucoup de bruit à gauche. Alors, quand le Seigneur te parle, effectivement, il crée des fausses ambiances autour de toi, beaucoup de bruit, effectivement, pour que tu n'entendes pas. Parce qu'il sait très bien, comme nous l'avons lu dans le livre de Matthieu, chapitre 13, effectivement, je crois, dans Luc aussi, effectivement, aussi, où nous montre que il fait tout pour que ton attention ne soit pas, effectivement, parce que ce qu'il a peur, c'est que si tu prêtes attention, la parole rentre, la sémence rentre, tu es sauvé. Et là, tu as reçu, effectivement, aussi, ce qu'il te faut,
parfaitement et tu es délivré et tu as la puissance et le pouvoir de chasser les démons. Alors il a peur effectivement que... Alors il était distrait effectivement parce qu'il dit, là lorsqu'on faisait, ça va effectivement, ce que cela voulait dire, c'est que de peur que toi tu ne reçois dans la parole, que tu crois et que tu ne sois sauvé. Donc il vient pour enlever donc cette parole effectivement que le Seigneur est en train de s'aimer en toi. Par quoi? Par toutes ces distractions que tu as autour de toi, effectivement, comme il dit, ah ben... Il nous a bien donné cette image, effectivement, en nous montrant, en disant, oui, mais tombé par les épines, effectivement, mais les soucis de la vie, les problèmes, ceci. Tout être humain sur la terre, il aura toujours des problèmes. Mais Dieu étant placé au-dessus des choses, les problèmes peuvent arriver, il t'a déjà donné la clé de la chose. Ce qui veut dire que quand nous avons des problèmes, on ne doit pas commencer à pouvoir se demander, ah, je ne peux pas m'en sortir, mais tu as reçu le Seigneur. Mais il est le Jésus qui est le Seigneur est la réponse à tous tes problèmes. Mais c'est parce qu'il savait que tu aurais ces problèmes qu'il est venu. Gloire à Dieu. Amen. Souvenez-vous de la femme au prêtre de sang. Elle a dépensé l'argent partout. Il avait des problèmes, la femme dit, mais elle a tout donné au médecin, il ne savait pas être guéri. Et voilà qu'elle se voyait mourir. Elle était même abandonnée. Mais soudainement, qu'est-ce qui se passe effectivement? Les bruits passent effectivement. Qu'est-ce qu'elle voit? Mais il voit cet homme de Galilée que tous les autres voyaient comme étant un certain prophète comme ça. Mais quand elle l'a vu, elle a dit, voici la solution à mon problème. Jésus était la solution à son problème. Il est aussi la solution à ton problème. Aujourd'hui, mon frère, aujourd'hui, ma soeur. Alors, lève-toi! Simplement dit, tu es mon Dieu. Nous chantons effectivement ce cantique, effectivement, qui dit, tu le beau, c'est-à-dire que le grand conquérant. Amen. Amen. Qu'est-ce qui ne peut pas, qu'est-ce qui n'a pas conquis? Qu'est-ce qu'il n'a pas conquis? Sur la terre, il a démontré qu'il était victorieux. Quel problème pouvait-il y avoir? Prenez un exemple, la nourriture, il me dit, mais quand la foule le suivait, les disciples l'ont suivi, effectivement, il me dit, Rabbi, Rabbi, il s'est fait tard, la foule est ici, effectivement, il n'y a rien à manger, ils ont faim. Il n'a pas tremblé. Puis il a regardé, effectivement, eh ben, donnez-leur à manger. Il dit, mais une grande foule comme ça, il dit, mais qu'avez-vous? J'aime Dieu, il dit, qu'est-ce que vous avez? Et que nous avons que quelques pains et quelques poissons. Si c'est 5 ou 3, c'est que nous avons dit, mais avec une grande foule ici, et nous avons que ça. Vous savez, Dieu est notre Seigneur et notre Dieu. Dans la vie d'un croyant, d'un fils de Dieu, j'aime beaucoup cette parole qu'il nous a donnée en disant, toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Et quand il te place quelque part, il y a quelque chose qu'il a placé aussi là-dessus, mais qui va te servir, peut-être tu ne te rends pas compte, mais qui va te servir, qui sera toujours aussi quelque chose qui va agir effectivement pour toi. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'ils étaient là, ils n'avaient que quelques pains. C'est-à-dire qu'imaginez la foule de 5 000, vous avez 5 poissons et 3 pains par exemple, effectivement, mais que signifie 5 poissons et 3 pains par rapport à 5 000 personnes? Quand tu regardes cela, tu dis, mais c'est impossible. Et puis, il n'y avait pas de boulanger, il n'y avait personne, effectivement, ni des machins. Parce qu'ils étaient allés, la foule était encore. Je suis venu dans un endroit désert, presque désert. Il n'y avait rien. Il dit, mais il faut. C'est pour ça qu'il décide, il dit, mais renvoie la foule, effectivement. Oh, elle était venue pour écouter la parole de Dieu. Puis il dit, mais qu'est-ce que vous avez? Mais les peu que vous avez là, ce que vous avez en main, Dieu pourvoit. Alors, c'est ainsi qu'effectivement, qu'il dit, mais. Donnez-moi ce que vous avez. Ce qu'ils ont fait, c'était le pain et le poisson. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais il a rendu grâce, comme il a prié. Et puis, il dit à ses disciples, comme c'était dans le panier, il dit, prenez ceci. Allez nourrir la foule. Je crois que quelque part, ils se sont regardés. Il dit, mais Rabbi, nous comprenons ce qu'il en est, mais il a dit, mais Nous savons, parce que voyez-vous, frères et sœurs, c'est ça, en fait, le grand problème qui se passe. À un certain moment, quand on le regardait, il était un homme normal. Mais si on restait sur la partie homme normal, alors on n'allait rien recevoir de Dieu. Absolument et absolument, absolument. Parce que homme normal, il était aussi fatigué. Mais bien sûr que oui. Parce que vous savez, allez vous reposer aussi, parce qu'il savait que la fatigue était quand même, faisait partie de l'homme. Et s'il n'y avait pas de fatigue en lui, alors à ce moment-là, Satan aurait davantage quelque part.
Parce que pour, il faut que vous compreniez cela, que vous arriviez à pouvoir saisir ces choses, c'est nécessaire. Pour quelle raison? Parce que nous avions besoin d'un parent rédempteur. Les saintes écritures disaient, donc plus proche, c'est-à-dire que quelqu'un qui est de la même famille. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit quand même de la même lignée, avec le même sang qui pour l'empêcher. Évidemment, mais si lui, il n'était pas un homme 100%, il ne pouvait pas être notre parent rédempteur. Ah oui, c'est vrai que c'est 100% la vérité. C'est là que je vais toujours y pouvoir vous le rappeler ici, que les diables et les démons et tout ça, ces démons n'ont rien compris quand ils regardaient ce Jésus. Parce que quand on le voyait, il était 100% un homme avec les mêmes émotions, le même désir, le même... Parce qu'il est un homme, il doit avoir le même désir quand même. Bien sûr que oui, c'est 100% vrai. Bien sûr que oui. Et voilà, c'est cela que quand le diable regardait, il disait, mais c'est bizarre, c'est un homme dont je suis sûr et certain, comme les autres, je les ai ramenés dans le trou. Celui-ci aussi. Mais vraiment, le Seigneur est vraiment ça. C'est pour ça que nous devons l'honorer. Mais il a eu à pouvoir être dans une sagesse. Non. Qu'il soit donc béni. Oh, mon frère et ma soeur, c'est incomparable. Sa manière de faire, même les anges n'ont rien compris. Alléluia. Mais c'est comme ça qu'il est Dieu, mon frère. C'est comme ça même, nous l'aimons. On est censé pouvoir l'aimer. C'est pour ça qu'il est le Dieu que nous aimons. C'est quand les dieux puissants, c'est Jésus. On doit savoir ce que ça veut dire. Et c'est la même chose que quand il a créé l'homme, effectivement. Les anges regardaient, disaient, mais qu'est-ce qu'il fait qu'il habite? Ils ne comprenaient rien. Or, il avait un plan. Lui-même. Et oui, c'est comme... Il est Dieu, effectivement. Et voilà qu'il regarde, effectivement, il dit, mais bah, c'est un homme comme tous les hommes, effectivement. Et Satan se disant, mais moi, comme je suis esprit, puis j'ai la puissance, effectivement, l'autorité que j'ai eu à pouvoir avoir, effectivement, suite à ce que j'ai fait comme plan et projet, mais je domine sur tous les hommes. Mais celui-ci, il est un homme, effectivement, comme tous les autres, mais c'est quand même bizarre. Quand on le voit, évidemment, fatigué, il est fatigué aussi. Et à cet moment aussi, la tristesse le prend aussi. Et il pleure aussi, comme un homme. c'est écrit dans la série des chrétiens. C'est troublant, ça. Non, mais que Dieu te bénisse. Il a eu à pouvoir faire, c'est-à-dire que, oh, j'aime Dieu, parce que mais, ce sont des choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. J'aime Dieu, il est merveilleux, frère. Si nous pouvions avoir vraiment, et c'est la vérité, 100%. J'étais assis dans mon bureau là-bas, effectivement, et ça je peux vous le dire quand même. Assis dans mon bureau, et j'ai ouvert ma Bible, effectivement, parce que il y avait un chapitre verset que Dieu m'avait, je vous dis, j'ai lu, effectivement, j'ai dit, mais Seigneur, mais là, pendant que j'étais assis là dans mon bureau, ah, je vous dis la vérité, j'ai dit, non, j'ai dit, Seigneur, tu es le Dieu de Dieu. Un verset que nous lisons, que nous voyons effectivement, il dit, il vient me dire, prends là. Tu dis, Sauveur béni. Frère, c'est extraordinaire de voir que le Dieu vivant, aujourd'hui encore, il continue de pouvoir agir et parler, frère. Amen. Et montrer les choses, effectivement, que, on dit, mais mon Dieu d'amour, humainement parlant, on ne peut pas voir ça comme ça. Oh, la Bible est un puzzle, c'est vrai. Mais il faut l'excellence de Dieu pour nous faire passer au travers des choses, pour qu'on voit. Ah, nous sommes heureux, frère et sœur. Il a une sagesse. Il dit, Seigneur, il n'y a pas de sagesse devant toi. Tu es la sagesse même, au-dessus même de la sagesse. Parce que chez toi, je ne sais pas si on peut appeler sagesse, mais c'est au-dessus de ce qu'on appelle la sagesse. Ah! C'est sûr et certain. Oui, tous étaient troublés, effectivement. Satan et son armée étaient troublés devant cet homme de Galilée. On nous dit qu'il n'avait ni beauté, ni attiré nos regards. Quand on le voyait, il était simplement passé. C'est ces jours-là comme cela. Il passait dans la foule, mais oh, que son nom soit béni. La femme n'avait pas de solution. L'argent ne pouvait pas lui apporter, effectivement. Parce qu'elle avait, mais elle a quand même payé, mais ça n'a pas marché. Le médecin ne pouvait absolument plus rien faire. Que pouvait-il faire, effectivement? Sa vie s'en allait. Et puis, non seulement sa vie s'en allait, comme vous savez aussi, bon, pas bref,
Oui, bien sûr. Pourquoi tu dis, j'ai fait comme ça, c'est parce qu'en fait, je ne sais pas demander si ça va le faire de façon. Mais bon, pour dire effectivement que même son état, lui, comme ça s'empirait, il savait très bien comment, qu'il aime Dieu, mais bon. Bref, et comme sa vie s'en allait, il ne savait pas comment pouvoir faire. Parce que vous pouvez dire, oui, peut-être s'approcher de prêtres, effectivement, ou de sacrificateurs, ainsi de suite. Il ne pouvait pas. Oui, il ne pouvait pas. Ça, vous le savez, parce que dans un état comme cela, il ne pouvait pas. C'était des nations, il ne pouvait même pas entrer. Donc, vous voyez, la double douleur qu'elle avait, elle n'avait personne. Donc, abandonné. Et ces jours-là, qu'est-ce qui s'est passé? Cet homme de Galilée qui pouvait aller dans d'autres directions, effectivement, il fut donc appelé pour pouvoir aller prier pour là où il veut aller, effectivement. Hey! Vous savez, il n'y a rien de hasard avec Dieu, en fait. Oui. Et c'est comme cela qu'il a pris son chemin pour aller. Et pendant qu'il est allé, il savait très bien que sur son chemin, là où il passerait, évidemment, Dieu a... Vous savez, je veux que vous compreniez cela. Il nous dit, car tous ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Alors, si Dieu nous a donc prédestinés, il faut que nous comprenions que sa façon de faire est tout à fait particulière. Oui. Parce que parfois les gens comprennent des choses mal, et puis bon, parce que je vais peut-être, si on a le temps, je peux le prendre cela encore tout à l'heure. Nous avons besoin vraiment d'être instruits par Dieu pour que nous comprenions les termes, les expressions qui sont donc utilisées dans les scènes écritures. Ce qui veut dire que le Seigneur a placé circonstances et des choses sur notre chemin marchent. Donc, en étant dans cette circonstance ou dans ce genre qui est comme de points comme ça, cela puisse nous ramener à pouvoir être positionnés pour que l'action de Dieu puisse aussi nous atteindre, en fait. Vous allez comprendre. Sur le chemin où est passé, il savait que cette femme-là se trouverait sur ce chemin-là. Vous ne vous êtes jamais posé la question de pouvoir savoir, juste simplement un petit rappel. Pourquoi on a peu pris cet aveugle-là, Bartimée, qui on l'a placé à cet endroit-là? Bartimée pouvait être aussi peut-être dans une autre ville, je ne sais pas, plus loin, dans un autre contrée, enfin, toujours en Israël, dans une contrée lointaine. Mais pourquoi seulement à cet endroit-là qu'on a pu placer Bartimée? Dans le psaume 40 que nous avons lu, il a dit une chose. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Je pense que c'est cela. Hein. Tu m'as ouvert les oreilles. On n'a pas le sabbat. Tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire. Qu'est-ce qu'il dit ensuite? Alors je dis, voici, je viens. Pour quelle raison je viens? Parce que dans le rouleau du livre, hein, il est donc écrit de moi. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ est venu faire? Il est venu accomplir ce qui est écrit de lui. C'est vrai quand même, non? C'est parce qu'il est la parole de Dieu. Et bien, qu'est-ce qu'il nous disait souvent de pouvoir, pendant qu'il disait, dans Jean, il dit, moi ici, je ne fais rien de moi-même. Je ne fais que ce que le Père me montre. C'est-à-dire que il est censé pouvoir aller là où l'Esprit du Seigneur le conduit. Il va, et l'Esprit du Seigneur nous l'a dit lui-même. Il dit, quand l'Esprit du Seigneur viendra, le Saint-Esprit, il va faire quoi? Il vous conduira dans quoi? Dans toute la vérité.
Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Donc, effectivement, que quand c'est écrit, donc, les endroits où ils devaient passer, donc tout cela, c'était Dieu qui l'avait déjà prévu. Donc, l'âme qui devait trouver le salut par lui, effectivement, devait se trouver où c'est ? Dans les placements que Dieu a placés, que lui devait passer. C'est sûr et certain, monsieur. C'est sûr et certain. Vous voulez encore juste un exemple. Il passait son chemin. Qu'est-ce qui s'est passé avec Zachée? Zachée a couru pour se mettre où c'est? Sur les sycomores. Ah oui, c'était l'emplacement que Dieu avait voulu que Zachée se trouve. C'est pour ça que quand vous écoutez, faites attention, dites pas, oh non, non, prêtez attention, c'est l'endroit que Dieu, pas en dessous ou bien dans sa maison, ou bien quelque part. Non. Zachée, pour qu'il puisse avoir cette grâce du Seigneur, il devait se trouver là, sous les sycomores. Bien sûr. Si la femme au père des sangs n'était pas à cet endroit-là, elle ne serait jamais guérie, monsieur. C'est nécessaire que nous comprenions, effectivement. C'est ça qui dit, tu as multiplié tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Quand on peut réaliser la grâce, l'amour de Dieu à ton endroit, comment Dieu te conduit à différents endroits pour que tu rencontres ce Jésus, tu dois lui dire merci. Nous n'avons pas cherché Dieu. Mais Dieu nous a accordé la grâce de nous trouver à l'endroit à que son Seigneur soit béni. Gloire à toi, mon Sauveur. Oui, monsieur. Oui, madame. Nécessaire. C'est pour ça que nous comprenons que, oh, que ton nom soit béni dans Romains, il dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Il te conduit, il te place. Et c'est pour ça aussi, mon frère et ma soeur, que vous puissiez comprendre que quand nous lisons, nous écoutons la parole de Dieu, nous devons faire attention, tu as ouvert les oreilles. Regardez très bien pour que nous puissions comprendre que Dieu est vraiment Dieu. Il faut qu'on soit à l'endroit. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Dieu qui a conduit les enfants d'Israël jusqu'à cet endroit-là, à la mer Rouge. Pas de l'autre extrémité, mais à cet endroit-là. Parce qu'il savait lui-même que si on se trouve à cet endroit, le chemin est devant. Si on est à gauche, c'est pas là-bas. Si on est à droite, c'est pas là. Mais à cet endroit-là! Voilà la conduite, mon frère, dont nous avons besoin, mon frère et ma soeur. C'est pour ça, quand tu es en détresse, ne t'inquiète pas, le Seigneur, notre Dieu, est un secours. Toi, simplement, écoute ce qu'il te dit. Voilà que, ils avaient ces paniers-là avec le pain. Il leur dit, oui. Que Dieu te bénisse. Il leur dit effectivement, voilà qu'on. Et il dit, nous n'avons que ces 5 pains et quelques poissons, effectivement aussi. Mais la foule est à. Vous savez, c'est plus ou moins peut-être 5 000 ou 6 000. Comment pour nous? Il dit, venez avec le pain. Il leur a rendu grâce. Il leur a dit, allez distribuer ces pains. Eh oui. Quand on a confiance au Seigneur et qu'on reconnaît d'abord, le problème c'est de reconnaître son autorité et sa capacité. Amen. Ça c'est absolument nécessaire. Alors, il savait qui était cet homme ici. Vous savez, c'était une expérience pour eux de pouvoir d'abord regarder, il n'y a que ça. Et puis, il demande de pouvoir le faire. Où est-ce qu'il demande? Parce que nous avons marché avec lui, on sait qui il est. Bon, on va quand même aller. C'est pour ça que c'est ce que Dieu attend de toi, mon frère et ma soeur. Même si ta situation est critique et que ça semble effectivement qu'il n'y a vraiment pas d'issue, c'est que la parole de Dieu te dit, pas ce que les gens peuvent te dire. Parce que avant, c'est pour ça que toi et moi, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons comprendre une chose. Pourquoi je dois avoir confiance dans la parole et non pas dans les gens? Parce que avant que les gens puissent arriver à être comme nous sommes, il y avait la parole. Est-ce que vous suivez? Donc, avant que j'existe, effectivement, mais il y avait d'abord la parole. C'est par la parole que je suis venu à l'existence. Donc je ne peux pas faire confiance à un homme.
Je vais faire confiance à Dieu, effectivement, parce que Dieu est la parole. Donc, c'est-à-dire que c'est par lui, effectivement, que je suis descendu. Comment, moi, je peux comprendre Dieu alors que c'est Dieu qui m'a créé? Je ne peux comprendre les choses de Dieu que quand Dieu lui-même me les fait comprendre. Vous me direz, mes frères, vous dites, mais je donne un exemple. Comme nous sommes là, c'est notre soeur Lily avec son enfant que nous voyons, que Dieu te bénisse. Et tant d'autres que je vois notre soeur Carole aussi. Tous, vous êtes des mamans. Mais est-ce que votre enfant que vous avez peut savoir effectivement comment sa jeunesse s'est passée en tant que bébé et tout ça, et comment il a rampé effectivement de lui-même? Parce que je me dis, bon, maman, je vais t'expliquer comment moi je commence à ramper à quatre pattes, effectivement. À partir du mois d'avril, mais ma fille ou mon bébé, mon grand, c'est impensable. Tu ne peux pas le savoir. Parce que quand tu rampes à quatre pattes, c'est moi qui t'ai regardé. Et comment tu es né, mais tu ne peux pas savoir, parce que c'est moi qui t'ai mis au monde. Donc, c'est à moi de t'expliquer comment tu es venu au monde, comment on a coupé le cordon ombilical, comment tu as commencé à pleurer, comment tu as commencé à boire le sang, parce que c'est mon sang que tu as bu. Tu ne peux pas, toi, mon frère et ma soeur, connaître plus les choses que Dieu, mon frère et ma soeur. Non, même Satan, il ne peut pas. Il va te leurrer, tu vois maintenant, tu commences à me dire, non, il est un menteur, parce que personne. C'est pour ça que ce n'est pas révélation, messieurs. Satan ne peut pas voir la révélation. Il sait simplement ce que Dieu, pendant les temps qui étaient créés, qu'il voit effectivement. C'est tout ce qu'il sait. Mais ce que Dieu va faire et ce qu'il fera, jamais. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Donc il ne peut pas connaître les secrets des cœurs, parce que ce n'est que la parole de Dieu qui le connaît. Nous devons comprendre ces choses pour ne faire confiance qu'à notre Seigneur. 100% foi en lui, 100%, peu importe, même si les situations sont devenues très compliquées, difficiles, n'abandonnez jamais votre foi et votre confiance dans le Seigneur. Regardez, juste un exemple. Qu'est-ce que Satan fait aujourd'hui, effectivement? Mais le but qu'il poursuit, avec tout ce que vous voyez, effectivement, le but qu'il poursuit, simplement, ce n'est nul autre, que Dieu donne la grâce de pouvoir avoir sur le temps pour une rédemption. Ce n'est nul autre, mais c'est simplement qu'il combat le peuple de Dieu. Aujourd'hui, vous êtes assis chez vous à la maison, effectivement, votre place devait être ici. Nous avons la communion fraternelle, effectivement, mais Dieu soit béni, on nous fait des choses comme ça, que Dieu soit béni avec tous ces jeunes qu'il m'a donné, effectivement, ici, et maintenant on a l'écran, on peut quand même se voir. Mais bon, bref, ce qui est, le Seigneur a voulu, effectivement, ce que nous devons avoir, la communion. La communion fraternelle, c'est nécessaire. D'ailleurs, vous pouvez voir, effectivement, c'est ça que Satan combat. Regardez très bien, lorsqu'on lit dans 2 Pierre au chapitre 3, regardez très bien, qu'est-ce que vous voyez dans 2 Pierre chapitre 3? C'est très important. Je vais vite aller là-bas et puis nous revenons à la femme perte de son et puis nous continuons. Puis si Dieu permet qu'on puisse prendre ce matin, c'est que Dieu soit béni. Donc, je pense que c'est là que dans 2 Pierre au chapitre 3, regardez bien. Regardez. 2 Pierre au chapitre 3. Il est bon de louer notre Dieu. 2 Pierre au chapitre 3, c'est cela, oui. Ya. Nous y sommes. Regardez, je pense que c'est ça. Oui, après, c'est vrai, on a 2 Pierre au chapitre 3. C'est ça? Chapitre 2 Pierre, chapitre 1, je porte un instant. Oui, c'est chapitre 1. Oui, c'est ça. Oui, c'est 2 Pierre, chapitre 1. 2 Pierre, chapitre 1. Il nous dit ici, je vais prendre la même version que vous ici. 2 Pierre 3, je prends la même version que vous. Ça, vous comprenez. Est-ce qu'il s'est mis sa copine? Voilà. 2 Pierre chapitre 1, et puis nous lisons, à partir du verset 3, il nous dit ceci. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part le plus grande et les plus précieuses promesses, afin que par elle vous devenez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde et par la convoitise. À cause de cela même, écoutez maintenant, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, ah oui, c'est vrai que
Tu avais la pyramide ici, non? Je pense bien. Si tu veux bien que tu puisses un peu projeter, je pense que nos frères vont quand même voir cela aussi. Donc. Alors il dit donc, j'étais donc au verset... ça dit, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, effectivement, la science. À la science, la tempérance. Écoutez très bien. À la tempérance, effectivement, la patience. À la patience, écoutez bien. À la patience, effectivement, la piété. Et à la piété, qu'est-ce que vous voyez? À la piété, c'est qui bien l'amour fraternel. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important. C'est ce que, d'ailleurs, le Seigneur a eu à pouvoir toujours insister et parler effectivement de cela. Il dit, oh, il dit, mais si vous aimez les uns, vous avez l'amour les uns pour les autres. C'est comme ça que vous êtes mes disciples, effectivement. Alors il dit, mais aimez-vous les uns les autres. Et plus loin, quand les disciples ont prié, effectivement, les apôtres ont prié, effectivement, aussi les saintes écritures. Et comme nous l'avons aussi entendu, effectivement, avec le même esprit du Seigneur, du Maître, effectivement, le même désir, effectivement, même sentiment dans le cœur, effectivement, qu'est-ce qu'ils nous ont exprimé, effectivement? Il nous dit encore plus loin. Je crois qu'il faut... Oui, voilà. Ah oui. Bon, quand on dit affection fraternelle ici, ça veut dire l'amour fraternel, ça vous devez comprendre. Ah oui, pardon, je crois que vous m'avez donné un stylo ici. Oh, mon frère Jonas, je pense que je dois avoir un petit souci quand même quelque part ici. Il faudra vérifier de temps en temps ce qu'il y en a. Mon grand, bref, ça ne fonctionne pas, mais peut-être que tu peux m'aider à ça, oui. Merci. Merci beaucoup. Alors il dit, regardez bien. Il ne fait pas effectivement de cela. Il dit, mais ici donc à la piété, et puis on voit là, mais c'est l'amour fraternel. C'est l'amour fraternel, comme vous pouvez le voir. C'est ça que vous remarquerez très bien, que le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu et que la parole de Dieu a été prêchée, quelque chose l'a saisi, parce que la parole de Dieu s'accompagne toujours de la nature de Dieu en soi. Quelle est cette nature de Dieu? La Bible dit que Dieu est vraiment amour. C'est cela. Merci beaucoup, mon grand. Dieu est amour. Et c'est cela qu'on doit comprendre, effectivement, que, ah oui, c'est absolument, c'est ce que Dieu veut. Et c'est pour ça aussi que nous l'avons eu à pouvoir entendre, effectivement, qu'il s'est écrié aussi dans Psaume 133, effectivement, je pense à cela, je m'en ai dit, mais, oh, qu'il est doux et agréable pour de faire, de demeurer unis ensemble. C'est là que le Seigneur, notre Dieu, déverse sa bénédiction pour l'éternité. C'est comme lui, il est répandu sur la tête de l'Aaron qui descend sur sa barbe, effectivement. C'est toujours la communion fraternelle. Mais c'est ce que Satan va combattre aussi, parce que quand nous avons la communion, quand nous avons l'amour du Seigneur, l'amour de la parole, nous nous aimons, nous nous attachons, nous nous sentons plus proches. C'est cela que cet amour-là est très important. C'est ce qui a tire encore davantage dans l'unité de la foi, effectivement, ici. Et c'est pour ça que, là, dans les Saintes Écritures, c'est l'apôtre Pierre qui les dit, effectivement, je pense que c'est dans deux pierres, quelque part, effectivement, je suppose que c'est là, oui, si c'est un pierre, quelque part, 21, comme vous savez que nous l'aimons beaucoup, l'Écriture, que ce dimanche, il dit ceci, il dit, et ça, c'est important aussi, il dit, verset 21, il dit, non, mais verset 22, il dit, mais, ayant donc purifié donc vos âmes, en obéissant à la vérité par l'esprit, pour avoir un amour fraternel. Où est la pyramide? Elle est partie. Pour avoir un amour. Voilà, c'est cela. Mon grand, je crois qu'il y a un petit souci avec. Ah oui, pardon, il est si faible. Et puis, il a changé. Un amour fraternel. Donc ici, donc l'affection, vous comprenez bien que c'est l'amour fraternel. Pour avoir effectivement ici, pour avoir un amour fraternel vraiment sincère. Donc il dit bien, un amour fraternel vraiment sincère. Parce que c'est ce que la parole de Dieu produit dans chacun de nous. Pourquoi il doit être vrai? Pourquoi il doit être sincère, effectivement? Parce que regardez très bien. Qu'est-ce que ça produit? Regardez bien. Il dit... Et puis il dit, mais aimez-vous, quand vous avez l'amour fraternel sincère, il dit, aimez-vous ardemment les uns les autres. Pour qu'on puisse arriver à pouvoir nous aimer ardemment les uns les autres, il faut que quelque chose vienne dans le cœur. Ceci n'est attiré que, parce que vous voyez bien, frères et sœurs, que l'amour fraternel, et puis, comme on entend là, ici, c'est le Saint-Esprit.
Oui. C'est pour ça que, pour que nous soyons vraiment identifiés à la parole, parce que c'est le désir de notre Dieu pour nous, auquel le Seigneur a eu à pouvoir dire dans Romains au chapitre 8, à partir du verset 28, il dit, mais toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu, ce que Dieu a connu d'avance. Alors, nous voulons le lire avec vous rapidement, sinon, rapidement, nous retournons ici dans Pierre, dans Pierre ou dans la femme, Romains 8, verset donc 28, il nous dit donc, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon donc son dessein, hein, car ceux qu'il a appelés, qu'il a connu d'avance, effectivement, il a aussi prédestinés, écoutez très bien, à être semblables à l'image de son fils. Et cela, que Dieu veut de toi et de moi, comme l'apôtre Paul l'a si bien dit, que ce que nous cherchons, ce que nous puissions présenter à Dieu, tout homme devenu parfait en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est à quoi je combats, effectivement. Oui, que Dieu te bénisse, ma bien-aimée. Et c'est à quoi je combats, effectivement. C'est toujours cela, effectivement. Donc, l'objectif, effectivement, que, à l'image de son fils, effectivement. Et c'est très important. C'est ce que nous devons être reconnaissants à Dieu, hein, pour ces choses, effectivement, que Dieu nous donne et nous montre. Il dit donc, aimez-vous ardemment les uns les autres. Donc, dans 1 Pierre, au chapitre 22. Donc, là, cet amour, effectivement, aimez-vous ardemment les uns et les autres. De tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, c'est-à-dire par la parole vivante et par la parole vivante et permanente de Dieu. Amen. Donc, nous comprenons que pour que nous puissions avoir cet amour fraternel vrai, sincère, pas de duplicité, pas de fausseté, pas d'hypocrisie, il faut recevoir vraiment la parole pure, la véritable parole, effectivement, qui transforme l'homme. Enfin que, et c'est comme cela que quand cette parole rentre en nous, effectivement, que nous naissons de nouveau, alors nous avons un autre caractère. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses, parce que nous ne voulons pas être des auditeurs simplement étant assis en disant, oh, c'est bien, oh, c'est agréable. Non, nous devons être participants à la nature divine. Il faut qu'il y ait cette nature de Dieu, effectivement. On l'a dit, on l'a entendu, comme c'est écrit, comme l'avons entendu, effectivement. Je crois que c'est dans 2 Pierre que nous avons lu, effectivement, aussi. Comme sa divine puissance. Okay. 2 Pierre au chapitre 3, 1, verset 2. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part le plus grand, le plus précieuse promesse, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine. C'est-à-dire que nous devenons divins. Et comment est-ce que je peux les devenir? Mais parce qu'il nous a donné cela, hein, par sa parole. C'est pour ça qu'on dit que, afin que nous puissions être semblables à l'image de son fils. Lui, le fils, est l'image du Dieu vivant. Ah, que son Seigneur nous savait. Et puis on nous dit, le premier-né de toute la création. Et ce que nous devons comprendre, c'est que ça veut dire que Dieu veut que nous soyons donc à l'image de son fils en réalité. Donc, nous retournons à la femme, au père de sang. Elle n'avait plus d'espoir, effectivement. Et quand tout semble noir, tout semble vraiment compliqué, et il y a un cantique qui dit, seul Jésus demeure. C'est notre secours, notre recours dans tous les domaines de notre vie. Parce que, comme mon grand, que Dieu le bénisse richement, quand il priait, il montrait effectivement cette grandeur de ses dieux. Quelle est la chose qui peut être difficile à Dieu? J'aime beaucoup l'écriture, toujours Romains au chapitre 8, il dit. Ah, et j'ai redit avec vous, comme ça, nous revenons. Oui, que Dieu te bénisse richement. Romains au chapitre 8, là, et nous le lisons avec vous. Regardez comment il nous place dans les choses qui sont vraiment merveilleuses pour nous. Et il nous dit cela en disant ceci. Bon, voilà que Didi. Ah, et d'abord, il nous montre que ce qu'il a appelé, et ce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés, et ce qu'il a appelé, il les a aussi justifiés. Oh. J'aime cela, mon frère et ma soeur, mais il dit, mais, car par une seule offrande, il a amené à la perfection tous ceux qui sont sanctifiés. Ça veut dire que justifié, ce qui veut dire que
Tous mes péchés sont dans la mer de l'oubli. En fait, Dieu ne le voit plus, Dieu ne se souvient plus. Il ne se souvient plus de cela, il ne se souvient plus. C'est toi-même, le problème, c'est toi, frère, c'est toi, ma soeur. Comment ça peut voir? C'est pour ça que j'ai toujours eu à pouvoir le dire ici. Ma soeur, vous qui êtes de soeur, effectivement, parce que c'est toujours... On a... La parole a été prêchée, mais les démons là s'accrochent toujours. Les démons de la religion, parce qu'on a dit que oh voilà que je veux me marier avec un frère. Bon, le frère veut savoir ma vie passée. Je veux lui ouvrir mon livre passé. Parce que c'est comme ça que on a toujours eu à pouvoir dire effectivement jusque. Je dis donc il faut vous asseoir maintenant et que la jeune sœur puisse ouvrir son livre passé. Donc il te dit effectivement tout ce qu'elle a fait, par où elle est passée. Ah papa, tu m'as dit voilà, si j'en ai 150, maintenant, peut même citer par le nom des 150, effectivement, comme ça, lui il est assis en train d'écouter tout ça. Moi j'ai toujours posé la question, moi, ça va comme tout ce qu'on doit faire, c'est peut-être quand même dans les Saintes Écritures, mais dans la Bible c'est écrit où? Parce que moi on me dit que tous mes péchés sont effacés. Mais s'ils sont effacés, Dieu n'a plus les livres. Hein? Nous avons entendu, c'était l'ordonnance dont qui nous condamnait effectivement. Il l'a déchiré. S'il l'a déchiré, toi tu veux encore le recoudre? Je pose la question parce que c'est comme ça. Il les a livrés publiquement et cette ordonnance dont tous ceux qui étaient là-dedans sont nous condamnés, il les a déchirés, ainsi de suite. Donc le Seigneur les a complètement déchirés et il ne voit plus. Mais toi, tu veux que le péché que le Seigneur m'a déjà pardonné, parce que quand j'ai péché, j'ai confessé, j'ai demandé pardon au Seigneur, il a effacé. Et tu veux maintenant que je lui rappelle tout ce que j'avais eu à pouvoir faire pour dire, Seigneur, ce que la Bible a dit pour que le sang de Christ ôte le péché, c'est que le mien, je ne crois pas qu'il a été ôté, parce que je dois recouvrir encore, redonne-moi le livre qui a été déchiré, parce que je dois confesser maintenant à l'homme qui est ici, avant de me prendre en mariage. Frère, mais ça, je ne sais pas moi d'où ça vient tout ça. C'est ça la religion. Mais montrez-moi ça dans les saintes écritures. Je me plierai. Nulle part. Ah, si ce n'est pas dans les saintes écritures, alors c'est où? Ah, c'est vrai, vous me détesterez. Oh, ici, moi, je ne prêche pas contre quelqu'un. Mais je dis, mais il faut quand même que les choses soient bibliques, puisque nous avons appris à être conformes aux saintes écritures. Ben. Le sang de Christ notre Seigneur est efficace. Jusqu'aujourd'hui. Parce que s'il n'était pas là, si son sang n'avait pas été versé, je ne serais pas debout aujourd'hui. Oui, mon frère, ma soeur. Parce que les frères vers qui tu vas demander qu'on recouvre ton livre à toi, parce que ça t'amène en condamnation en plus. Donc le sang de Jésus-Christ n'a pas été efficace pour toi. Et c'est ce monsieur-là qui va effectivement aussi te donner quoi? L'absolu pardon. Mon Dieu, mais j'ai confessé au Seigneur, c'est suffisant pour moi. J'ai confiance que le Seigneur m'a... Oh, mais il faut... C'est celui, donc si lui me pardonne, alors Dieu m'a dit, maintenant je vais te pardonner. Alors les saintes écritures, alors je ne comprends plus rien. Parce que on m'aurait dit effectivement que, comme Pierre aurait dit, mais répentez-vous d'abord, vous jeunes filles, allez vous repentir dans vos futurs maris. Et puis à ce moment-là, et puis vous serez baptisés au nom du Seigneur. Parce que si vous n'avez pas repenti, le Seigneur ne va pas vous pardonner. Vous voyez que on place les choses là où ils ne sont pas. Le pardon a été obtenu parce que Christ est mort pour nos péchés. C'est écrit. Il est mort pour mes péchés. Ah ben, il nous a donc pardonné. Donc nous comprenons que ce sont deux choses. Ça dit, mais ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc justifié aux yeux du Seigneur, ça demande ça. Ça veut dire que pour Dieu, quand tu as confessé, tu as demandé pardon, tu as reconnu l'efficacité du sang de Jésus-Christ, notre Seigneur, il n'y a plus de problème. Donc, pour les seigneurs, il n'y a plus rien. Quand ils te regardent, tout est blanc. Il n'y a pas de tâche ici. Hein, attends, enlève d'abord ça, parce que c'est pas tout est blanc, parce que tu regardes. Enlève d'abord, voilà, tout est blanc. Il n'y a plus rien. Alors, c'est toi-même maintenant qui veux mettre maintenant avec la tradition. C'est comme, vous me direz, tu exagères. Il n'y a pas de problème, vous pouvez me prendre comme vous voulez. Mais c'est là aussi, étaient des croyants. Dans Actes chapitre 15.
Il y en avait aussi qui vous disent, mais c'est quoi, frère? Mais c'est ça. C'est ça que je vais vous montrer quand même, pour que vous puissiez aussi voir. La tradition reste toujours chez les gens. Acte chapitre 15. Il n'avait pas compris ce que le Seigneur avait fait. Acte chapitre 15, c'est cela, vous dit ici. Il nous dit, quelques hommes venus de Judée enseignaient les frères en disant, si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Paul et Barabbas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Et les frères descendirent, décidèrent que Paul et Barabbas et quelques-uns de leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie, la Samarie, racontant la conversion de païens, et ils causèrent une grande joie à tous les frères. Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens, et racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors, quelques-uns du parti des pharisiens, vous vous souvenez des pharisiens, qui avaient cru. On a eu à pouvoir quoi? Mais la religion reste toujours là, accrochée là. Elle dit, qui a vécu? Qu'est-ce que les pharisiens? Vous connaissez les pharisiens? Qui a vécu, nous continuons ici, s'élevait en disant qu'il fallait absolument circoncire les païens et faire quoi? Et exiger l'observation de la loi de Moïse. C'est ça le problème. Il faut exiger l'observation de la loi de Moïse. C'est pour ça que l'apôtre Paul nous pousse plus loin. Les gens disent que l'apôtre Paul, il était en train de pouvoir prêcher contre Moïse et tout ça. C'est pour ça qu'on le lapidait, on le créait des problèmes. Il dit, mais nous sommes plus sous la loi. Il dit, nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. Parce que la loi, on a fait, mais il ne faut jamais nous amener à la perfection. Mais Jésus-Christ parut, seul enfant. Gloire à Dieu. Par son sang, il a amené à la perfection tous ceux qui sont donc sanctifiés. Alors, dites-moi, moi je vais être où? Parce que avec la loi, je ne pouvais pas accomplir la loi même. Je faisais tous mes efforts, mais tout ça, je devais toujours la même personne. Frère, si vous voulez retourner à la loi, retournez, mais là, votre foi... Mais je crois que c'est quelque part, il est dit aussi. Hein. Vous vous placez sous la malédiction. Parce que les maudits quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit. Ah oui. Oh oui. Évidemment, nous avons besoin de pouvoir nous retrouver dans ce que Dieu nous a donné comme don gratuit. Il ne faut pas chercher des complications pour vous faire des saintetés que vous fabriquez. Si cela était ainsi, tous ceux qui sont morts dans l'Ancien Testament pouvaient être déjà au ciel. En fait, à l'époque, mais ils étaient toujours là en dessous parce que notre justice est comme une souillure devant Dieu. Ça ne voulait rien dire. Il a fallu que les justes viennent. Un homme appelé juste, j'en aura en son livre. Il est bien, c'est lui, le juste, effectivement. Et c'est par lui que nous sommes justifiés. Par l'offrande de notre Seigneur Jésus-Christ, effectivement. Alors, nous lisons rapidement, nous revenons à la femme, parce qu'elle est en part aussi. Et c'était dans le livre de Romains. On est dit, même. Alors, donc, ce qu'il a appelé, donc, verset 31. Et ceux qu'il a prédestinés, les a aussi appelés, ce qu'il a appelé aussi, justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, les a aussi glorifiés. Maintenant, écoutez bien. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? C'est important qu'on comprenne cela. Que vous qui êtes des docteurs, effectivement, vous des prédicateurs, qu'est-ce que vous pouvez dire à l'égard de ces choses? Parce que c'est important, parce que ce que vous dites au peuple de pouvoir. Il dit, mais que dirons-nous donc, même toi-même, sœur, même toi-même, frère, qui est docteur de toi-même? Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses, effectivement? Parce que c'est Dieu qui a eu à pouvoir faire savoir, effectivement, que ce qu'il a appelé, ça aussi justifié. Ah ben, comment suis-je justifié? Parce que j'ai coupé les têtes des taureaux, et puis j'ai toujours offert, effectivement, cela, je me suis crossé les genoux. Non! Nous sommes justifiés par la foi en Jésus-Christ. La foi en lui. C'est écrit comme ça dans Galates, je pense. Et pour te lire, on dit, oui, mais mes frères, quand même, et nous avons l'impression que tu... Non, je n'ai pas l'impression, mais nous pouvons aller dans Galates, et je pense que nous allons peut-être le trouver. Galates. Mm-hmm. Ah, yes. Oh, que Dieu bénisse cet homme. Ah là, donc ici connaît. Il est aussi ici, monsieur. Ok, bah ça aussi connaît. Si, donc là, je pense. Mais tu es bien.
Ah ben voilà, c'est ça, oui. Voilà, c'est Galates au chapitre 2, je pense que c'est cela. Ah, ah. Verset 16. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, c'est écrit, hein, mais bien par la foi en Jésus-Christ notre Seigneur. Donc, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ, et non par les œuvres de la loi, parce que personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. Sinon, ce qui est écrit ici, les saintes écritures, et puis nous comprenons bien que tout est par la grâce, afin que personne ne puisse se glorifier. Et dire, moi, j'ai fait ceci, non, non. Nous comprenons. C'est cela que nous devons, la Bible nous dit que soyez miséricordieux, donc on doit être miséricordieux les uns envers les autres. Pas des juges avec les marteaux de condamnation. Je ne ferai pas ce que Dieu ne m'a pas condamné. Il m'a accordé la grâce. Alors de même, que Dieu te bénisse mon précieux frère, ce notre frère ici, Victor, que Dieu te bénisse. Et notre Seigneur ne nous a pas condamnés, il nous a donc aussi accordé la grâce afin que nous puissions rédiger. Alors il lui dit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Écoutez bien, très bien, mon frère, ma soeur. Si Dieu est pour nous, gloire à Dieu, que j'ai trouvé grâce aux yeux du Seigneur pour qu'il soit pour moi et qu'il soit avec nous. Qu'est-ce que toi tu as fait pour cela? Mais c'est lui qui est venu te chercher. La grâce t'a été accordée pour croire en lui. C'est pour ça qu'il nous a dit que soyez miséricordieux. On ne doit pas avoir un cœur qui condamne tout le monde et que toi-même tu te sens le merveilleux ou la merveilleuse, la juste ou la bonne. Et tout. Non, ou le bon. Non, monsieur, quand tu as un esprit comme ça, c'est quelque part il y a un problème avec ton salut. Vous direz, frère, ça me dit, mais qu'est-ce que vous dites? Ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ah. Oh, je pense que c'est dans Philippiens, quelque part, comme ça, que cela nous est dit, en fait, en réalité. Ils sont Philippiens. C'est quoi, c'est Philippiens? Regardez bien. Philippiens, il nous dit cela, il nous montre cela, c'est quand même nécessaire. Ah, je crois que ce sera. Ah, Philippiens au chapitre 2, verset 1, nous dit, si donc il y a quelque consolation en Christ, si donc il y a quelque soulagement dans l'amour, je pense que c'est cela, la même chose que vous. Hein? Je suppose que c'est la même chose que vous aussi, non? Ce qui est bon, je crois qu'il y a. Mais bien sûr. Ah. Chez vous, donc c'est écrit donc. Si donc, donc s'il y a donc, non, c'est ça, non, s'il y a quelque soulagement dans la charité, bon, si c'est vrai qu'il nous a dit effectivement au chapitre 2, s'il y a quelque soulagement dans l'amour effectivement, donc, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque union d'esprit, je vais lire dans votre Bible. Alors, s'il y a donc quelque compassion, écoutez bien, quelques miséricordes. Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ça nous rappelle quand même que les jours de Pentecôte, oui, acte 4, verset 32, tous ceux qui avaient cru, qu'est-ce qui peut amener à la dissension? C'est l'évangile, c'est les choses qu'on nous prêche. Mais c'est quand nous avons la parole de Dieu, effectivement, en tant qu'enfant de Dieu, eh bien, ça ne fait que faire augmenter l'amour d'abord de Dieu dans notre cœur. Et tu as multiplié tes merveilles et tes desseins en notre faveur, Seigneur mon Dieu. Le nombre est tellement si grand. Je t'aime beaucoup. Quand je t'aime, alors je peux aimer le peuple de Dieu parce que c'est ton œuvre à toi, mon Seigneur. Parce que tu ne peux pas aimer Dieu et détester son œuvre. C'est vrai, c'est parce que tu sais que s'il a fait ce qu'il a fait, c'est toujours parfait.
c'est cela. Et donc, c'est même ça, pour que ces sentiments, c'est ça, comme l'unité, ce que Satan combat toujours. Satan ne veut pas que nous puissions avoir la même pensée. La parole sort, effectivement, tu es là, il est en train de dire, oui, voilà ce qu'il dit, c'est parce que les prophètes n'ont pas dit comme ça. Mais mon frère et ma soeur, ce dont nous avons besoin, c'est ce que disent les Saintes Écritures. Si les Saintes Écritures ont dit comme ça, les prophètes et nous tous, on met à genoux. Le prophète ne peut pas dire, la Bible ne peut pas dire A, et le prophète vient dire B, et puis on suit les prophètes. Ce n'est pas possible. Alors, moi je dois mettre la parole, en particulier, mais que tout homme, tout le monde compris, soit menteur, que Dieu seul soit reconnu pour vrai. Donc Dieu est l'absolu, et l'alpha et l'oméga, c'est l'absolu. Alors, c'est ayant ce même sentiment, on pense qu'il ne peut pas y avoir des prophètes si Dieu n'était pas là. C'est pour ça qu'il faut qu'on comprenne tout ce genre de dire. Ah oui, ce frère, il n'aime pas les prophètes. Mais j'aime tous les prophètes, je les aime. Mais celui que je dois aimer plus, c'est le Dieu des prophètes. Sans lui, il ne peut pas y avoir de prophètes. Donc c'est quand même important qu'on comprenne la place de chacun, qu'on puisse positionner les choses et surtout respecter les prophètes à sa place des prophètes, mais respecter Dieu à la place de sa divinité. Voilà. Oh, que notre Seigneur soit vraiment béni. Donc, il nous dit. Donc il y a donc un même sentiment. C'est pour ça qu'on nous dit effectivement qu'il dit, mais puisque vous avez été régénéré, donc vous avez la nouvelle naissance par une parole, une sémence incroyable, c'est la parole de Dieu, alors vous devez avoir l'amour les uns pour les autres, ardemment dans le cœur. Sans hypocrisie. Donc un amour fraternel sincère. Qui fait qu'en cet moment, tu t'oublies. Mais c'est la vérité, oui. Tu te lances pour l'autre, c'est ce qui s'est passé au jour de Pentecôte. C'est-à-dire que chacun s'élance pour l'un, pour l'autre, effectivement. C'est ça l'amour fond. On faut s'exciter à l'amour, pas au requérel, pas au rapportage et tout ça. Pourquoi toujours vouloir toujours mettre de. Pour que Dieu nous aide, parce que si on pouvait comprendre comment on peut garder la victoire, c'est en demeurant dans la parole de Dieu, sans aller. Parce que, à quoi ça. Donc, il nous dit ici, c'est la vérité, frères et sœurs. Nous avons tellement régressé, et nous sommes dit, quand nous nous retrouvons, nous parlons de quoi? Toujours des plaintes, toujours de ceci, de cela. Mais si, il y a un cantique qui nous dit, je ne sais pas, c'est ça, je connais. Je connais ce cantique là, nous l'avons chanté. Ils sont deux parties, il y en a une. Et puis deuxième partie, il dit les chrétiens ne doivent pas murmurer. Vous connaissez ce cantique là, effectivement. Aïe. Il faut qu'on prie pour que vous reveniez ici, pour qu'on soit là ensemble, en fait, de pouvoir chanter les cantiques, effectivement, que la chorale soit là. Alors, quand je vois trouver un cantique, la chorale l'entonne directement. Oh, combien je souffre dans mon cœur quand je regarde cela. Mais je dis, mais gloire à Dieu, toutes choses concourent pour ceux qui aiment Dieu. Et nous prions, mais priez pour qu'on puisse se retrouver. Et ces cantiques-là, parce que un chrétien ne peut pas murmurer, frère. Et puis, ah oui, j'aime bien diminuer. Les plaintes et les murmures ne peuvent pas faire partie d'un chrétien ou une chrétienne. Parce que il a trouvé un lieu de paix, peu importe ce qui peut se trouver autour de lui, effectivement, mais il est toujours à cet endroit. Oh, mon grand, moi, que Dieu te bénisse richement. Oui, c'est bien le numéro 88B qui nous dit, oh, revêtons notre armure et partons en vainqueur. Oui, la victoire est sûre, en haut le cœur. C'est lui qui nous appelle et nous dit en avant, en haut, et le sauveur fidèle, le Seigneur tout-puissant. Rien qu'à chantant ça, mon frère et ma soeur, nous sentons que Dieu te bénisse. Et puis il dit, revêtons notre armure et luttons en vainqueur. Pas en des gens qui sont défaitistes, effectivement, qui sont avec nous. Vainqueur, vainqueur. Je lutte en tant que vainqueur, donc je garde la victoire.
Oh, que Dieu te bénisse richement. Il dit, le secours se mesure aux besoins de nos cœurs. Je le veux, je veux ce secours, Seigneur. Je suis là, je crois en toi. Alors on a le secours, monsieur, oui. Quand on crie à lui, il entend. Et puis il dit, plus grande est la faiblesse, Seigneur, de tes soldats, plus riche est ta promesse, et plus ferme est donc ton bras droit. Ces promesses d'être avec nous sont en ennemi. Revêtons notre armure et souffrons, même dans la souffrance. Comment en définir? En vainqueur, il dit, mais en vainqueur dont je souffre, mais étant vainqueur, parce que je sais que la victoire, je l'ai, je dois la garder. C'est ça la foi. Il dit, et souffrons en vainqueur des plaintes et des murmures, sachons garder nos cœurs. Pourquoi me plaindre? Et puis, oh, j'aime le couplet. Il dit, ah, ça, c'est ce que je veux. Il dit, l'épreuve aura son terme. Et dans les mauvais jours, le chrétien reste toujours ferme dans la foi et dans l'amour. Il dit, revêtons notre armure et mourons en vainqueur. Si la bataille est dure, l'espoir soutient nos cœurs. Aux rives éternelles, il nous montre le port. Oh, gloire à Dieu. Nous te serons fidèles, Seigneur, jusqu'à la mort. Qui devra nous séparer? C'est pour ça que, merci mon grand, et c'est pour ça que dans Romains ici, nous revenons vite là, puis nous pouvons aussi peut-être partir, mais si Dieu permet qu'on continue, nous allons continuer. Romains ici nous dit, chapitre 8, hein, il nous dit, oh, ah, ce que nous étions là, il nous dit, oh là là là, là verset 31, il dit, mais que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Dieu nous a appelé. Le Fils de notre Seigneur est tellement parfait. Ah, il est bon, notre Dieu, dans sa façon de pouvoir faire les choses. Comme nous l'avons dit avec vous l'autre fois, en parlant effectivement, en pensant à ce que nous disons en rapport avec les tabernacles qui étaient dressés sur la terre, je ne vais pas retenir longtemps. Et la manière dont le Seigneur avait dit à Moïse de pouvoir les disposer, qu'il y avait donc le lieu très saint et le lieu saint, et aussi le parvis. Et ça, Moïse l'a fait comme le Seigneur lui a dit, en lui disant que fais exactement selon le modèle qui t'a été montré. Et cet homme ici était un serviteur de Dieu. Il a obéi au Seigneur. Il a fait selon ce que le Seigneur lui a dit de pouvoir faire, puisque le Seigneur lui avait montré cela. Peut-être qu'il ne comprenait pas tellement pourquoi est-ce que le Seigneur a insisté, mais nous avons nous compris dans le Nouveau Testament, dans le livre des Hébreux, parce que dans le lieu très saint, c'est là que le souverain sacrificateur, c'est lui qui avait l'udonction au-dessus de tous les autres. Parce qu'on l'appelle souverain sacrificateur. C'était un type de Christ notre Seigneur, parce que dans le Nouveau Testament, il est aussi appelé souverain sacrificateur. Le premier, c'était selon l'ordre d'Aaron. Mais lui, c'est l'ordre de Melchisédek. Melchisédek, c'est lui le roi de Salem. Qui n'a ni commencement, ni fin. Ah, c'est merveilleux. Donc, il détient cette vraie, pas d'Aaron ou de Moïse qui avait, effectivement. Non, 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 non. Lui, c'est Dieu lui-même. Selon l'ordre Melchisédek. Donc, l'ordre qui est au-dessus, effectivement. Le roi de Salem, c'est l'ordre divin, Dieu lui-même. Alors, c'est important parce que, comme ce frère-là disait au frère, notre frère Kokolo, que voilà, Satan ne peut pas être adversaire de Dieu. Vous l'avez compris, vous avez, sincèrement, on lui a répondu, et lui aussi lui a bien répondu. Et il n'avait pas, il ne comprennent pas, il ne lisent pas les Saintes Écritures. Parce que, comme vous savez, que le péché a commencé là-bas. Donc, on a souillé. Vous comprenez? Oui, bien sûr que oui. Parce que vous posez la question. C'est pour cela que il faut que nous soyons conscients de ce que le Seigneur a fait, parce que même la Bible dit que quand il expira, le voile des temples, c'est-à-dire celui qui
séparer le lieu saint du lieu très saint, les voiles du temple se déchirent du haut en bas. Maintenant, c'était ouvert. Parce que c'est dans le lieu très saint que le souverain sacrificateur entrait avec le sang de trop de l'époque, effectivement, aussi. Donc, ce sang-là, une fois long pour obtenir le pardon de péché. Et quand Paul nous prend ça, il dit que les temps des taureaux et les boucs ne pouvaient pas amener les assistants, le peuple pouvait dire, faut attendre le sang à la perfection. Non. Or, nous pouvons entrer dans la présence du Seigneur, effectivement, et on se dit que ce qui est parfait, parce que tout ce que Dieu fait est parfait, pas quelque chose d'inachevé. Imparfait, ça veut dire que ce n'est pas achevé. Ok, Dieu existe, la perfection, c'est-à-dire que l'achèvement. Exactement, donc c'est parfait. C'est vrai que le chiffre 3, c'est la perfection. Mais nous comprenons effectivement qu'il faut que ça soit complètement terminé. Parce que si c'est inachevé, ça ne peut pas être parfait. Donc, nous comprenons qu'effectivement, que, et là, on nous fait savoir une chose merveilleuse et curieuse. En rapport avec tabernacle que Moïse avait donc été appelé à pouvoir dresser, c'est pour que nous comprenions la relation. Parce que Dieu a fait, mon frère et ma soeur, pour le problème du péché, Dieu a fait tout dans tout le moindre détail. Il n'y a aucune chose que toi tu peux faire. Ou que moi je peux faire pour toi. Ou qu'un homme peut faire pour toi. Nous les hommes, on a essayé de pouvoir le faire, effectivement, comme il y avait la succession des hommes. Mais les péchés du peuple pour lesquels on a fait n'étaient pas ôtés, ils étaient toujours couverts. Savez, comme j'ai toujours à pouvoir dire que si on couvre quelque chose, la chose est toujours là. On veut tout faire, effectivement, nécessairement couvert. Il est là. Rien ne pouvait l'arracher. Quand je les ai fait comme ça, j'ai retourné. C'était comme ça que c'était le peuple. C'est pour ça qu'on dit que ça ne pouvait jamais, 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 jamais amener l'assistant. Non, Christ, notre Seigneur, il est bon de l'aimer, frère. Amener l'assistant à la perfection. C'était impossible. On a tout fait. On a versé des sangs, des taureaux et des boucs, effectivement. Toutes les cérémonies. Mais l'homme ne veut pas être aussi sans péché. Parce que son péché était là. C'est pour ça qu'il dit, j'aime Jésus-Christ, mon roi. Que Dieu soit béni pour des hommes qu'il a eu à pouvoir utiliser comme. C'est pour ça qu'il dit, mais tu n'as voulu, psaume 40, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, qu'on comprenne ces choses, même si on les lit 3, 4, 5 fois. Mais il dit, mais tu m'as formé un corps. Voici, je viens au Dieu, ah, j'aime Jésus, pour faire ta volonté. Ah. La Bible dit, mais c'est en vertu de cette volonté-là. Puis nous revenons dans Romains, puis nous terminons avec la femme. Nous sommes peut-être peur de ça, Dieu nous permet. Je ne vais pas aller plus loin, mais bon, évidemment, c'est pour que nous comprenions. Hein. À Hébreux, au chapitre 10, je crois que c'est cela. Verset. En effet, la loi qui possède, chapitre 10 des Hébreux, verset 1. Il possède une ombre de biens à venir et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par le même sacrifice qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection, bien qu'on les ait fait. Nous sommes partis de la pensée que le péché a commencé là-bas et que les choses ont été souillées. Pour que vous puissiez voir effectivement pourquoi est-ce que les tabernacles étaient dressés et qu'est-ce que le Seigneur a fait pour que nous comprenions que, comme je le disais tout à l'heure, que Dieu à régler le problème et la question du péché de l'homme dans tout le moindre détail. Pour que Satan n'ait plus l'occasion que ceci n'a pas été fait. Donc j'ai le droit, il n'a plus aucun droit. Maintenant c'est à l'homme de pouvoir comprendre. Ah, tu es tellement si bon, mon frère et ma soeur. Ah, cela me ramène à ce qu'il m'a pu me montrer ce matin. J'ai dit, Dieu du ciel, nous t'aimons, tu es bon. Et oui, j'ai dit la vérité, c'est 100% vrai. J'ai dit, tu es merveilleux. Il n'y a point de Dieu semblable à toi. Non, que tu sois béni, Père. C'est extraordinaire. Oh oui,
Dans tout le monde des temps, il a réglé la question du péché. Maintenant, écoutez bien, il dit, faut qu'il soit béni. Il dit, verset 2, autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Puisque ceux qui rendent ces cultes étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par sacrifice. Ça veut dire que le péché était toujours là, monsieur. C'est pour ça qu'il dit, car il était impossible. C'est bien écrit. Impossible, gloire à Dieu. Il est impossible que le sang des taureaux et des boucs puisse ôter le péché. Cela rentre effectivement dans la pensée de l'homme, effectivement, pour savoir que tout ce que toi tu peux faire ne peut jamais t'amener à te tenir dans la présence du Seigneur. C'est pour ça que la religion ne peut pas vous sauver. La religion, c'est avec des dons. Il faut que tu fasses. Non, le Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur, si toi tu devais arriver à pouvoir faire pour ton salut, alors Christ serait venu pour rien. Bien sûr que oui, vous qui aimez tellement la religion. C'est pour ça que je voulais toujours y pouvoir le dire, effectivement, ça choque, ça choquera toujours, évidemment, que j'ai toujours dit, mais le message ne sauvera jamais personne, parce qu'on vous dit, si tu ne crois pas au message, tu ne seras pas sauvé. Non, monsieur. Non, c'est 100% faux. Les messages ne sauvent personne. Alors, nous pouvons à ce moment-là changer l'écriture, comme l'apôtre Pierre l'a dit. Il n'y a de salut en aucun autre message. C'est comme ça, est-ce qu'on peut changer ça? Non, je veux dire, écoutez, on peut les lire, hein? On va les lire avec vous. Acte. C'est pas que le problème, c'est pas dire, oh, le frère, il est. Non, vous me détestez, c'est votre droit. Mais quand même, venez quand même aux saintes écritures. Ce sont donc les écritures, quand même. Dans Acte, au chapitre 4, je pense que c'est cela. Ici, verset 5. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens, les scribes s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race, effectivement, des principaux sacrificateurs. Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean et leur demandèrent, par quel pouvoir et au nom de qui avez-vous fait cela? Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chefs du peuple et anciens d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité les morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus, notre Seigneur, est la pierre rejetée par vous qui bâtissez. Et qui est devenu maintenant la principale de l'angle, effectivement. Verset 12, il dit, il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre message qui a été donné. C'est comme cela. Aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devons être sauvés. Il n'y a de salut qu'en Jésus-Christ, notre Seigneur. Mais il faut qu'on place les choses à leur place pour que le peuple comprenne. Que, comme la Bible a dit, c'est là, il y aura des faux ouins. Bien sûr, ils n'ont rien à prêcher. C'est là qu'il y a des répétitions. Et je l'ai toujours dit et répété, effectivement, mon frère et ma soeur, peu importe ce que vous pouvez penser, effectivement, mais il n'y a pas un ministère de perroquets dans les Saintes Écritures. Sinon, l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, venait dire, acte 10, il pouvait dire ceci. Oh oui. Regardez ceci, regardez bien, acte au chapitre 10, et on devait changer beaucoup dans les scènes d'écriture, hein, si on suit ce que les hommes nous disent, effectivement. Et regarde bien, alors il dit, si je pense à cela, bien, alors il dit ceci, je pense que... Et voilà, acte 10, verset 39, il dit, nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en les pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le troisième jour et il a permis qu'il apparaisse. Non à tout le peuple, mais aux témoins d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus, parce que là, il faudra changer. Hein. Et Jésus nous a ordonné de répéter à tout le peuple. Non, de prêcher. Amen.
Mes prêchés, pas de répétitions, non, pas de perroquets, non, mais de prêcher, et puis de quoi? Et d'attester, pas toujours, oui, le prophète a dit, le prophète a fait, mais toi, c'est la question du prophète était réglée, lui, il a servi Dieu, il a fait ce qu'il avait fait, effectivement, gloire à Dieu pour un puissant prophète comme celui-là, mais toi maintenant, lui n'était pas un perroquet, toi tu deviens un perroquet. Et qu'est-ce que tu lui démontres, toi, effectivement? Il a dit, il a fait, aujourd'hui, oh, il avait dit, mon frère et ma soeur, dites-moi ce que le Seigneur a dit dans les Saintes Écritures. Qu'est-ce qu'il t'a dit, toi? Qu'est-ce que tu dois prêcher aux autres? C'est ça le problème. Amen. Que Dieu te bénisse, mon frère Julien. Alléluia. C'est cela, mon frère, c'est cela, mon bien-aimé frère et soeur. Ce que nous devons comprendre, ce que le Seigneur attend de nous. Il y a beaucoup trop de comédiens, de ceux-là, qui pensent que prêcher, c'est se mettre là devant l'honneur. Quel honneur, effectivement. Mais si vous êtes... Ah oui, c'est vrai que si vous en cherchez, parce que vous êtes du diable, le diable va le faire, effectivement. Mais quand on sert Dieu, il n'y a pas... Oui, mais c'est... Paul a dit, qu'est-ce qu'il a dit, effectivement? Nous sommes des condamnés à mort. Des rébus pour ce monde, effectivement, ici. Oui, c'est cela, en fait, c'est cela. C'est-à-dire là pour parler de Dieu. C'est la preuve que quand on parle de Dieu, on ne peut pas être aimé. Mais vous cherchez que vous soyez aimé, applaudi, effectivement. Alors on est perroquet, c'est normal qu'on soit perroquet, parce que tout le monde est perroquet. Mais les serviteurs de Dieu ne peuvent pas être un perroquet. Non, il faut sortir de ces lots de perroquisme. Parce qu'il n'y a pas un ministère de perroquet. Des répétitions tout le temps. Bon, alors, Hébreux nous dit, car il est impossible que les sangs des taureaux et des boucs ôtent les péchés. C'est pourquoi Christ notre Seigneur, voilà glorieux, entrant dans le monde et il dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, parce que tu ne continues à pouvoir le faire. Mais tu m'as formé un corps, tu n'as grillé ni holocauste ni sacrifice pour les péchés. Il dit, alors j'ai dit, voici je viens. Parce que dans le rouleau du livre, il est bien écrit de moi. Je dis, pourquoi Seigneur? Il dit, mais pour faire quoi? Mais oh Dieu, ta volonté à toi. C'est cela ce que chacun doit faire. Amen. Chaque serviteur de Dieu ne doit pas chercher la volonté du groupe, effectivement, la volonté des consentements d'un super, je sais pas moi, que... Non, monsieur. Tu dois te dire, quelle est la volonté de Dieu pour moi? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? La même chose aussi pour le peuple de Dieu. Qu'est-ce que Dieu attend de moi en tant que fils de Dieu? Alléluia! C'est ça que nous devons chercher, frère. Pas d'être applaudi à gauche et à droite, pas pour faire plaisir à tel à gauche et à droite. Non, monsieur! Non, monsieur, non, madame, il faut revenir à la foi. Et si tu reviens à la foi, tu verras que tu seras haï tout le temps. Et ça, c'est une grâce de Dieu, d'être haï pour le Seigneur, pour son nom. Ça témoigne que l'Esprit du Seigneur est avec toi. Mais quand on parle du bien de toi, dit malheur à vous. Oui, c'est écrit. Exactement. C'est écrit. Exactement. C'est écrit. Donc, mon frère et ma soeur, tu dois te savoir que quand tu acceptes le Seigneur et tu l'aimes et que tu vis pour lui, tu vas porter sur l'opprobre les souffrances de Christ. Le monde l'a haï, il va te haïr aussi. Amen. Les pharisiens, les sadducéens, tous ceux-là qui proclament que nous croyons, et pourquoi ils ne vous aiment pas? Parce que s'il avait l'évangile véritablement vrai, il n'allait pas vous haïr, il n'allait pas parler du mal de vous, ni critiquer. Les frères, chaque fois, ils critiquent, oh, et ceci, toujours les critiques, toujours les, ceci. Ça veut dire qu'ils ont une mauvaise sémence. Voilà. Parce que nous l'avons lu avec vous. Parce que vous avez été régénéré. Non, c'est écrit effectivement dans deux périodes. Il est très bien pour que vous puissiez. Parce que ça doit vous permettre de voir effectivement la qualité de ces gens-là. Ils prêchent Alléluia, Dieu est avec nous. Après, c'est les critiques. Après, c'est la haine. Nous n'aimons pas. C'est-à-dire que nous sommes avec ces déchets, effectivement, si. Quand je la fais demander, mais pour nous construire les paroles de l'Éternel, effectivement, j'en ai 400 prophètes. Tout ceci sur l'obédience, effectivement, des répétiteurs comme des perroquets. Bien sûr que oui. Nous sommes tous des perroquets. Eh bien oui, c'est vrai. Ils ont répété comme des perroquets. Montez. Des perroquets. Ces démons-là, il est toujours là jusqu'à aujourd'hui, frère. Ça. Et voilà qu'il y avait un qui n'était pas un perroquet. Mais on ne l'aimait pas. Et c'est pour ça que je dis, mais y a-t-il pas un serviteur d'intérêt? Parce que là, je ne vois que des perroquets. C'est ça le problème. Trop de perroquets aujourd'hui, les prophètes disent, mais je vais entendre qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Est-ce que Josaphat a dit, mais y a-t-il pas un prophète qui n'était pas dit? On peut entendre quand même la parole de l'Éternel, toujours perroquet. Prophète a dit, frère, sortez du milieu d'eux, mon frère et ma soeur. Amen. Et là, c'est lui qui a dit, ah, il y en a un. Ah, on sait quand même qu'il y en a un par la bouche que Dieu parle. Il dit, puisqu'il dit, mais je ne l'aime pas, je ne veux pas de lui. Oui, c'est comme ça aujourd'hui encore. On ne va pas vous aimer, en fait, parce qu'il faut faire partie des associations.
Des perroquets, bien sûr. Quand vous êtes un perroquet, ben vous êtes dans la possession des perroquets. Mais Dieu n'est pas avec les perroquets, ça on doit le savoir. Alors, regardez bien, il dit, dans le chapitre 1, verset 22, il dit non. Et à donc purifier vos âmes en obéissant à la vérité. Donc, la vérité, donc, c'est la parole de Dieu. Pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Pourquoi et comment cela peut arriver que je puisse aimer mon frère et ma soeur de tout mon cœur? La réponse c'est que parce que vous avez été régénéré, c'est-à-dire régénéré, ça veut dire que vous avez expérimenté la nouvelle naissance, vous êtes né de nouveau, non pas la semence modifiée, mais par la semence incorruptible, qu'on ne peut pas modifier. Quelle est-elle? Par la parole vivante et permanente de notre Dieu. C'est cela. Parce que si nous prêchons vraiment la parole que Dieu nous a donnée, eh bien, on doit aimer les frères. Mais qu'est-ce qui se passe parmi les prédicateurs? L'hypocrisie. Et parler à soubassement à gauche et à droite pour pouvoir détruire l'influence de l'un comme de l'autre. Ah, parce qu'il n'est pas un perroquet comme nous, alors c'est qu'il n'est pas des dieux. Que Dieu nous aide. Je suis heureux de ne pas être un perroquet. C'est cela parce que le Seigneur, notre Dieu, nous a toujours montré que les perroquets n'ont une source simplement que de celui qui veut que les hommes soient perroquets. Ça n'a jamais été Dieu, c'est toujours l'ennemi de l'éternel, l'adversaire, effectivement. Et c'est cela, effectivement. C'est comme ça que ça a toujours été avec aussi les 400 prophètes de Baal, d'Astarté, effectivement, ici, avec Élie qui était tout à fait différent. Il se réfère, c'est cela le problème, il dit, mais ils sont aussi dans la chair de Moïse, répétant ce que Moïse a dit. Mais il répète effectivement toujours à vous tous, le prophète a dit, puis vous tremblez, effectivement. J'ai dit, ne tremblez jamais. Vous tremblez quand on vous dit, Dieu a dit. Ah oui, je ne tremble qu'à ta parole. C'est cela. Donc, maintenant, le problème est ceci, il se réfère bien à les prophètes, à pouvoir dire effectivement ainsi de suite. Mais la question de pouvoir savoir, posez-vous la question de pouvoir savoir. Comment étaient ces prophètes? J'ai toujours dit ici. Je ne sais pas comment raconter. Moi, j'ai été à Jeffersonville, moi-même ici. J'ai cherché le Branham Tabernacle. On me dit qu'on ne connaît pas un certain prophète William Branham ici, dans notre contrée. Ici, à Jeffersonville. Chez lui, là-bas, étranger. Pas connu, évidemment, parce que ça. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas connu? Oh, le prophète a dit. On a les églises comme ça. J'ai dit, ils ont une foi imaginaire. Vous savez, ces joies qu'ils ont, ces attentions, ce n'est pas même la joie de la parole de Dieu. Mais non, ce sont des émotions tout à fait. Oui, mais prenez bien. Prenez bien. Le même prophète dont tu parles ici, dans son temps, il était haï. Haï à cause de quoi et pourquoi? Parce que ceci était son absolu. Tous les hommes, effectivement, les prédicateurs, ils étaient dans leur groupement, logement, loge, comme aujourd'hui, comme tout ce qu'ils disent, nous sommes dans cette. Et pourquoi? Parce qu'ils avaient tous le même, quoi. Ils répétaient tous la doctrine, quoi. Les trinités. Tous la même chose. Mais il était seul. William Branham, oui, que vous pensez dire notre prophète, il est le vôtre. Je pense qu'en tout cas, vous avez un autre prophète qui doit être un prophète des démons. Parce que la façon dont vous agissez aujourd'hui, c'est comme tous ces esprits mauvais qui ont été avec tous l'année passée. Vous n'avez pas bien suivi les choses de Dieu. Non. C'était que vous avez suivi un prophète de Dieu, effectivement. Vous ne serez pas de perroquet aujourd'hui. Vous prêcherez la parole de Dieu. Ah oui. C'est sûr et certain. Qu'est-ce qu'on avait dit? Ah oui, mais parce qu'il est venu avec quoi? Mais vos trinités, tout ça, c'est des choses qui sont diaboliques. Il n'était pas en train de voir mettre les gants. Aujourd'hui, vous entendez les volets. Ah, il faut que. J'ai entendu des gens. Mais quand vous. Bon, je ne sais pas pourquoi je suis là-bas. Bon, vous me supportez ou pas, ce n'est pas mon problème. J'ai entendu ce qu'ils disaient les autres. Ils disaient, oh, et comme le prophète a dit, quand vous allez dans l'église de quelqu'un, eh bien, restez dans sa doctrine. C'est comme, par exemple, je vais dans une église où on prêche les tonnerres. Je commence à dire, ah, les tonnerres sont révélés. Parce que je dois respecter. Les tonnerres sont révélés. Les tonnerres sont révélés. Non, monsieur. Tu dois prêcher la parole de Dieu comme Dieu me conduit. Si, il me chasse, qu'il me chasse. Quelle collaboration? À quelle collaboration avec des démons? On doit prêcher la parole, c'est ça. Le prophète a dit, il faut respecter. Et puis tout ça. Et bien, j'ai dit, mais alors, j'ai dit, mais alors Dieu ne vous a pas envoyé. Prêchez la parole, on va vous rejeter. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait avec notre Seigneur? On l'a même lapidé avec des pierres. Les apôtres aussi. Et toi, tu veux quoi? Collaboration. Si je fais ça, il va se fâcher contre moi. Il va se dire, mais qu'est-ce que c'est que les prophètes appelaient poule mouillée?
cheveux mouillés, qui se disent des hommes de Dieu, effectivement, je dis, Seigneur, le prophète a dit, ben, en fait, bah, bref. Alors, nous comprenons, comme les Saintes Écritures le disent, comme nous lisons dans le livre de Romains, puis nous allons terminer, puis nous revenons à terminer avec la femme en perte de sang. Romains donc, parce que c'est vrai que Romains au chapitre 8, dont nous étions là, évidemment, aussi, voilà, quel bonheur de marcher avec le Seigneur. Il dit ceci. Donc, lui qui n'a pas épargné son poids. Ah oui, mais vous vous souvenez, nous avons lu dans les livres des Hébreux. Ah oui, mais parce que nous étions là. Hébreux, chapitre 10. Merci Seigneur. Hébreux 10, permettez-moi, donnez-moi un tout petit peu le temps. Hébreux, pour que nous puissions voir ce qu'il a mis avec ce que nous avons en rapport avec les souverains sacrificateurs, bien sûr. Hébreux, chapitre 10, il nous dit, voilà, nous y étions. Et il nous dit ici, regardez bien. Verset 8, il dit, après d'avoir, dans le relais du livre, les questions de moi, pour faire, oh Dieu, ta volonté, nous y étions là-dessus. Verset 8, il dit, après d'avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour les péchés, ce qu'on offre selon la loi, il dit ensuite. En fait, c'est pour ça qu'on détestait Paul parce qu'il dit, mais oui, il parle contre la loi. La loi servait de Moïse, effectivement, il est toujours contre Moïse. Il n'était pas contre Moïse, mon frère et ma soeur. Non. Il avait la lumière que Dieu a apportée, effectivement, pour montrer au peuple, voici la réponse à tous nos problèmes. Mais ils n'ont pas voulu. Il dit ensuite, voici, je viens. Pour faire quoi? Pour faire ta volonté. Il supprime ainsi la première chose. Je ne sais pas si les gens lisent bien. Et cela, il dit bien, il supprime ainsi la première chose pour établir la seconde. Qu'est-ce qu'il a supprimé comme première chose? C'est ce que nous avons entendu. Hein? Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as. On dit bien, tu n'as voulu. C'est ce que ça dit, donc tu n'as pas voulu. Hein? C'est ce que les gens faisaient, mais dit, mais ce n'était pas ce que Dieu voulait. Je ne sais pas si vous suivez très bien. Maintenant, il nous remonte, il dit, tu n'as voulu, que Dieu te bénisse pour le psaume 40 que tu as été condamné. Il dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, ce qu'on offre perpétuellement. Pourtant, les hommes les offraient, mais ce n'était pas ce que Dieu voulait vraiment. Oui, oui. Non, il faut connaître Dieu, il faut connaître effectivement ce qu'il désire, ce qu'il cherche au plus profond. Ça, comme je disais tout à l'heure, dit, mais un enfant me dit, maman, je sais comment je tente de voir t'étais à ton CD, mais tu ne peux pas le savoir. Parce que c'est moi qui peux te dire comment tu t'étais. Tu ne peux pas savoir, toi, plus que Dieu, effectivement. Parce qu'il faut que Dieu puisse te dire, effectivement, le chose. Et Satan non plus. Ah oui, 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 c'est un ange. Il n'est pas Dieu non plus. Il n'y a qu'un seul Dieu. Ah, c'est glorieux, ça. Nous étions en lui. Il est glorieux. J'ai dit, Seigneur, oh, quel beau jour ça sera où je peux même m'agenouiller devant toi. C'est extraordinaire de pouvoir se tenir devant ce Dieu qui a fait autant de choses pour nous sur la terre. Oh, c'est un cantique dit, oh, quel beau jour devant ta face, tous les rachetés. En célébrant ta gloire et ta grâce de leur chant. Les cieux retentiront. Oh, c'est merveilleux, frère et soeur. C'est notre vie, c'est notre désir. C'est pour ça, vous qui êtes chez vous, ne soyez pas dans le désespoir. Le diable cherche à pouvoir nous mettre dans ces conditions-là pour que nous ne puissions pas arriver à pouvoir manifester cet amour les uns avec les autres. Ne vous laissez pas entraîner par rester seulement. Non, il faut qu'il y ait cette flamme toujours à l'intérieur. N'oubliez jamais, ceci n'est pas chez nous. Nous avons notre chez nous où nous devons rentrer. Et cela, effectivement, nous voulons avoir maintenant sur la terre comme l'essai. Parce que nous devons avoir le même sentiment, comme la Bible dit, effectivement. Nous voulons avoir la même parole, la communion, nous la désirons. Alors nous continuons ici. Alors il dit, effectivement, il dit, tu l'as voulu et tu n'as gré ni sacrifice d'offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Ce qu'on offre selon la loi, il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Donc ce que Dieu voulait, c'était sa volonté. Toi, tu penses faire la volonté de Dieu, mais il faut que lui te révèle quelle est donc sa volonté. Non, Jésus-Christ, notre Seigneur, c'est merveilleux. Que Dieu te bénisse pour le psaume 40. C'est merveilleux cela. Dans un psaume comme ça, était caché, placé la chose qui était tellement si importante. Sans qu'on puisse arriver à pouvoir. Mais voilà pourquoi les dons et les ministères qui viennent de Dieu sont importants. Regardez comment l'apôtre Paul va là-bas puiser quelque part.
il nous fait sortir cela. Ce n'est pas un perroquet, monsieur. Non, un homme envoyé de Dieu, un homme inspiré par Dieu. Pas de perroquisme. C'est cela que, c'est cela le respect, c'est cela la considération. Alors, on continue, il dit, ah, il supprime ainsi la première chose pour établir la seconde. Il établit lui. Maintenant, on dit, c'est en vertu de cette volonté, gloire à Dieu, que toi et moi, nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Qu'est-ce que toi, tu as fait pour tes péchés, en fait? Parce que quand il dit que nous sommes sanctifiés, ça veut dire que tu es saint. Ah ben oui, c'est un saint. C'est sûr, Dieu est tellement bon. Maintenant, regardez, parce que nous avons parlé effectivement du souverain sacrificateur, là aussi où le péché a commencé, évidemment, pour que vous puissiez comprendre que Dieu fait toutes choses dans le moindre détail. Écoutez, il nous dit ici, verset 11, « Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter le péché, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour le péché, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient donc devenus son marchepied. Vous comprenez? Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours, qui sont-ils? Ceux qui sont sanctifiés. Alors, vous comprenez que par là, moi, je ne peux que dire, Seigneur, tu es vraiment bon. Et quand je chante les cantiques des Sion, je dis, tu es merveilleusement bon. Pourquoi? Parce que pour Dieu, la perfection, je l'ai déjà atteint. Mais c'est écrit, il dit, mais, car par une seule offrande, il va quand même pas s'offrir encore davantage pour que, non, il a offert, s'est offert une fois. Et par cette offrande-là, effectivement, il dit, il m'a sanctifié. Puisqu'il m'a sanctifié, je ne pourrais jamais plus devenir un homme du monde. Non, monsieur. Alors, par la sanctification, maintenant, j'atteins maintenant la perfection. Il a donné les moyens nécessaires pour que je l'atteigne. Donc, rien ne peut manquer. Voilà pourquoi on parle de l'élection, mon frère. Tu es élu pour ça. Oh oui. L'élection ne peut pas échouer. Ainsi donc, je veux que vous appreniez ceci, que Satan peut tout faire. Il pourra tout faire, monter en haut, descendre effectivement, secouer par-ci, par-là. Toi, la perfection, tu vas l'atteindre. Il va secouer à gauche et à droite. C'est pour ça qu'il dit que nous sommes plus que vainqueurs. Nous avons, même en souffrant, on a la victoire en tant que vainqueurs. Oui, monsieur, gloire à Dieu. Oh, mon frère et ma soeur, ce que le Seigneur a fait, vous ne pouvez pas comprendre cela. Toi et moi, on ne peut rien faire dans cela. Il a fait une offrande extraordinaire qui a fait que de toi aujourd'hui, ce qu'il attend de toi, c'est simplement croire, le chanter, le glorifier, écouter ce qu'il dit par la prédication de la pure parole pour ton âme à toi. Il a amené à la perfection. Donc, toi et moi, c'est pour ça qu'il a dit que, soyez donc parfaits. Quand il dit soyez, ce qu'il a déjà annoncé. Qu'est-ce qui va vous empêcher d'être parfait? Il a pourvu la parole nécessaire, l'esprit nécessaire pour agir effectivement. Mon frère et ma soeur, nous devons être les hommes et les femmes les plus heureux en le chantant, en le glorifiant tous les jours. C'est pour ça, ne soyez pas découragés par des choses matérielles de ce monde et ça ne va pas. Non, quand ça ne va pas, mais nous ça va. Pourquoi nous ça va? Parce que nous allons chez nous. Nous avons un chez nous. Je voudrais vite partir chez nous. Alléluia. Oui, ici, ce n'est pas chez nous. Nous avons un chez nous. Nous avons là où nous sommes. Et parce que c'est là d'où nous venons. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous voulons rentrer chez nous. Ce monde n'est pas notre monde, mon frère. Nous sommes des pèlerins et des voyageurs et des étrangers. Nous avons notre patrie, effectivement. Alors, nous lisons effectivement ici qu'il nous dit, oh, si, et comme il dit effectivement, il dit, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu lui-même qui justifie. Quelle grâce! Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus,
il est donc ressuscité. Ça, c'est dans Romains. Nous étions dans les livres des Hébreux qu'on doit retourner là. Alors, retournez Hébreux chapitre 11. Alors, il dit, verset 14, il dit, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont donc sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Car, après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux, après ces jours-là, dit le Seigneur, qu'est-ce que je ferai? Je mettrai mes lois dans leur cœur, et je les écrirai dans leur esprit, et il ajoute, et je ne me souviendrai plus. Alors, écoutez bien, et je ne me souviendrai plus de leur péché, ni de leurs iniquités. Alors, ma sœur, toi qui aimes ouvrir ton livre. Alors, ici, Dieu dit que je ne me souviendrai plus. Alors, toi, tu veux maintenant ramener au Seigneur le souvenir de tes péchés pour un certain, je ne sais pas comment on peut l'appeler, j'en sais rien qu'on peut l'appeler, parce qu'il devient pour toi comme plus important que Dieu. C'est cela l'esprit qui est dans le catholicisme, en fait, où les prêtres ont mis ce qu'on appelle le confessionnat. Toujours, vous savez, Satan, il est rusé, il place de la main pour que tu tombes dans la pièce. Bien sûr, le confessionnat. Ce qui veut dire que vous savez d'où vient ce style-là de confessionnat. On appelle l'Église catholique Babylone la grande, la mère de tout ce que vous pouvez imaginer. Parce qu'en fait, cette doctrine-là, effectivement, ces choses-là, comme je vous ai toujours eu à pouvoir le dire, avec Marie que vous voyez là, hein, c'était cette image que vous voyez, ah, Marie avec son Jésus dans les bras. J'ai dit, mais quand vous avez les Jésus des catholiques, eh bien, vous devenez catholique, parce que c'est Jésus-là, mais pas le Jésus de la Bible. Parce que c'est Jésus-là que vous voyez avec Marie, eh bien, c'est Semiramis avec son fils qui est là-dedans, entre ses mains. Nimrod. Donc, si je rentre là-dedans pour pouvoir vous faire voir, vous allez dire, c'est bizarre. Mais oui, c'est ça. C'est Semiramis avec son propre fils, Nimrod, dans les bras. C'est là que vous voyez, oh, la Vierge Marie, mère de ma... Je ne sais pas moi que de ceci, là, mais vous adorez. Semiramis, hein, avec son fils Nimrod, effectivement, dans ses bras. C'est une divinité diabolique, en fait. C'est cela que vous pouvez arriver à pouvoir voir, effectivement. Oui, c'est cela, en fait, réalité, évidemment. Alors, c'est aussi là, dans ce paganisme, effectivement, de Babylone, qu'on avait eu des prêtres qui aussi étaient là pour le confessionnat, effectivement, des gens de la population qui venaient pouvoir, effectivement, aussi faire ces confessionnats, leur parler, des choses, effectivement, ainsi de suite. Donc, cela a été transporté aussi dans l'Église catholique. Et voilà ce qu'il en est. Donc, aujourd'hui aussi, ben, vous allez trouver votre prêtre là, qui d'une certaine manière ou d'une autre, vous lui ouvrez les livres. Hein, et ici, on nous fait bien comprendre que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Mais toi, lui, il va te demander de pouvoir lui raconter toute ta vie à toi. Mais c'est quand même terrible, triste de comprendre que jusqu'aujourd'hui, dans toute l'Afrique, dans différents endroits, et on trouve ça comme étant une doctrine qu'on a eu à pouvoir placer, instaurer. Et pourtant, dans les Saintes Écritures, on ne les voit pas. Et le Seigneur a dit que je ne me souviendrai plus. Voyez-vous pourquoi nous devons aimer le Seigneur et sa parole? Parce qu'il est venu pour libérer les captifs. Mais les hommes nous rendent prisonniers parce qu'ils veulent avoir le pouvoir sur nous. Dieu n'a jamais établi un homme pour dominer sur l'homme. Le seul qui doit être la tête de l'homme, c'est Christ, notre Seigneur. Nous comprenons cela d'une certaine manière, pour comprendre effectivement cela ce qui est nécessaire. Alors, nous comprenons évidemment aussi ce qu'il y a en réalité, d'une certaine manière ou d'une autre. Et beaucoup de gens se disent, oh mes frères, alors qu'en est-il avec, il ne faut pas mélanger des choses avec des choses, mais quand on parle effectivement, c'est pour dire qu'il n'y a que les seigneurs qui dominent sur les hommes, et nous sommes tous soumis au Seigneur les uns les autres. Bon bref, alors, il nous dit ici donc, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, de leurs iniquités. Maintenant on dit, oh, là où il y a pardon de péché, il n'y a plus d'offrande pour les péchés. Que pouvez-vous encore offrir aujourd'hui?
pour vos péchés à Dieu. Pour que Dieu vous pardonne. Que pouvez-vous offrir à Dieu? Parce que le pardon a déjà été accordé. Parce que l'offrande que Dieu voulait, ce que toi tu offrais, Dieu n'en voulait pas. Mais l'offrande, Dieu voulait seulement une seule offrande. On dit qu'à part une seule offrande. Une seule. Pas multiple, hein? Une seule offrande. Il a amené à la perfection tous ceux qui sont donc sanctifiés. Maintenant, on attend, parce que je vais dire que les péchés ont commencé. Maintenant, regardez la perfection de Dieu, alors que les hommes ne comprenaient pas, mais Dieu fait toujours, toujours dans le moindre détail. Regardez maintenant le verset 19. Et on parlait effectivement du pardon et de l'offrande, évidemment. Le verset 19 nous dit, « Ainsi donc, frères, nous avons donc au moyen du sang de Jésus une libre entrée où c'est dans le sanctuaire. » Par la route, il dit, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison donc de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, le cœur purifié, effectivement. Oh, regardez bien, purifié, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Maintenant, regardez bien, parce que là, effectivement, il nous dit, effectivement, ça rapporte ça. Maintenant, regardez très bien ici, dans les Saintes Écritures, il nous dit, chapitre 7, je pense, quelque chose comme ça, ou chapitre 6, que je voudrais que vous puissiez voir. Ah, ce que c'est cela aussi. Voilà. Voilà, c'est ce que tu me dis ici. Merci. Voilà, c'est au chapitre 9 des Hébreux, il nous dit, en rapport avec cela, comme nous avons terminé chapitre 10, on a regardé, voici chapitre 9, il dit, verset 11, chapitre 9, verset 11, je vais lire quelques portions. Il dit, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur de biens à venir. Écoutez bien, comme nous parlons du tabernacle, effectivement, qui a été dressé. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, une fois, non avec le sang de bouc et de taureau, mais avec son propre sang, ayant donc obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifiés, procurent la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent donc l'héritage éternel qui leur a été donc promis. Maintenant, verset 23. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le soient par des sacrifices plus excellents que ceux-là, car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu, et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré comme un sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire, mais pour offrir notre sang, que le sien, autrement il aurait fallu qu'il ait souffert plusieurs fois depuis la création, mais maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour effacer les péchés par son sacrifice. Le verset 23, c'est là que je voulais que vous puissiez voir. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette même manière que les choses célestes elles-mêmes le soient par les sacrifices plus excellents que cela. C'est pour ça qu'il est entré aussi. Enfin que, aussi, à vous dire, mes frères, qu'est-ce que cela, ça veut dire effectivement. C'est pour ça qu'on nous dit que
Nous n'avons pas lutté contre la chair et les sangs, mais contre les princes des ténèbres, contre les démons, contre les esprits méchants qui sont aussi dans le lieu céleste. Donc, nous comprenons que le Seigneur, notre Dieu, il devait racheter tout ce qui concerne, effectivement, que l'ennemi a eu à pouvoir avoir le contrôle depuis la chute d'Adam. Enfin, que c'est la raison pour laquelle on l'a appelé, effectivement, du nom du dernier Adam, en rapport avec le premier Adam, pour que les choses soient restaurées, effectivement, dans la position comme cela était. C'est pour ça qu'il pouvait nous dire qu'il a vaincu, il a vaincu. Donc, le diable n'a plus l'autorité, le diable n'a plus le pouvoir. Et le Seigneur l'a dit lui-même pour que nous puissions se dire, mais tout pouvoir m'a été donné où c'est, dans le ciel et sur la terre. Donc Satan n'a plus rien. J'étais mort, je suis vivant. Je vis maintenant au siècle des siècles et je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Alors quel pouvoir et quelle autorité encore Satan peut donc avoir sur nous? Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie, qu'il vous soutienne, afin que nous puissions revenir à pouvoir écouter et aussi réaliser la grâce extraordinaire que le Seigneur, notre Dieu, nous a faite de pouvoir être appelés enfants de Dieu. Je termine par cette écriture avec vous pour que cela soit et ancré aussi en vous dans 1 Jean au chapitre 3 et puis nous allons nous lever et prier ensemble. 1 Jean au chapitre 3, nous lisons cela avec vous ensemble. Oui. Alors, il dit, « Voyez donc quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes, pas nous le serons, mais nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra lui, Jésus-Christ notre vie, nous serons aussi semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Quiconque pratique le péché transgresse la loi, et le péché la transgression de la loi. Or, vous le savez bien, que Jésus notre Seigneur a paru pourquoi? Pour ôter le péché, et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui, c'est impossible, il ne pratique pas le péché. Quiconque pratique le péché, il ne l'a pas vu, il ne l'a pas connu. Il dit, petit enfant, que personne ne vous séduise, celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pratique le péché est du diable, car les diables pêchent dès le commencement. Parce que ces gens-là ne veulent pas obtenir le pardon de leurs péchés, puisque c'est seulement... Bon, bref, je vais lire seulement. Regardez bien. Donc, le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu. C'est cela. Toi, mon frère, toi, ma soeur, tu es né de Dieu. C'est là que tu dois avoir la paix dans ton cœur. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Cette semence étant en toi, tu ne peux pas pratiquer. Ce n'est pas possible. Alors il nous dit ici, et il ne peut pécher. Donc il ne peut pas pécher. Parce qu'il est né de Dieu. Donc si je suis né de Dieu, le problème est réglé. C'est pour ça qu'il nous dit, c'est par là que se font reconnaître effectivement les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu non plus, ni celui qui n'aime pas son frère. Vous vous souvenez maintenant? Parce que quand tu as la sémence de Dieu, directement l'amour de ton prochain vient. La communion fraternelle. Je veux vivre avec mon frère, je veux voir mon frère, je veux voir ma soeur. C'est ce que le diable combat aujourd'hui. Pour vous rendre quoi, égoïste, chacun de son côté. Non, monsieur, nous devons soupirer après la communion fraternelle. On ne peut pas nous enlever cela, c'est ce que Dieu nous a donné. Nous soupirons à être avec nos frères, nous soupirons à être dans la maison du Seigneur pour glorifier encore notre Dieu pour ce qu'il a fait pour nous, ce qu'il continue à pouvoir faire. C'est là le combat. Et bien sûr que oui. Le diable, effectivement, quand le peuple de Dieu se mettait à pouvoir prier Dieu dans différents pays, on chantait des cantiques, on louait Dieu, effectivement, ça déstabilisait tout ce programme. Ça faisait tout ce bien, effectivement. Et voilà que maintenant, qu'est-ce qu'il fait, effectivement? Oh oui, il a trouvé tout cela. Pourquoi? Pour faire taire les gens.
Les assemblées qui chantaient, qui louaient Dieu, effectivement, on les fait taire, effectivement, ils ne peuvent même pas se rassembler, effectivement. Oui, alors quand on vous fait taire, effectivement, ben, le diable est content. Ah oui, nous, on doit bien comprendre qu'il est rusé, il est malin. Nous, nous devons savoir que c'est important pour nous de louer notre Dieu. C'est important pour nous de veiller sur notre frère et notre sœur. La communion, Dieu nous l'a donnée par la parole divine. Nous devons écouter la parole et revenir. Ne devons pas nous condamner dans cet état-là. Non, monsieur, on doit prier pour que le mur de Jéricho puisse tomber. Amen, amen. C'est nécessaire, mon frère. C'est notre vie, c'est ce que Dieu attend de toi et de moi. Nous avons besoin de pouvoir avoir nos frères et sœurs. Nous avons besoin de cette communion. On ne peut pas nous en priver parce que ça fait partie de notre vie. Nous voulons être avec nos frères. Amen. Ah, que Dieu nous accorde la grâce, que Dieu nous aide, qu'il nous fortifie, qu'il nous soutienne. Cet amour divin puisse inonder encore nos cœurs. Lève-nous, nous allons prier. En toi, Seigneur, les promesses que tu scellas de ton sang sont pour nous dans nos détresses, le remercie tout puissant. Que les cieux s'abaissent, que les cieux disparaissent, nous avons tes promesses. Certaines en tout temps, confiant à la promesse, Abraham, l'homme de Dieu, vers Morija sans faiblesse, a marché courageux. Oui, que les montagnes s'abaissent, que les cieux disparaissent, nous avons tes promesses, certaines en tout temps, persécutées par le monde. Preuve de feu, sur toi Jésus qui se fonde, sera victorieux. Oui, que les montagnes s'abaissent, que les cieux disparaissent, nous avons tes promesses, certaines en tout temps. Si les humains t'abandonnent, crois en ton meilleur ami, crois son amour t'environne. Que les cieux disparaissent, nous avons.